les autres. Et puis les autres sont restés indifférents. Et Jésus-Christ a dit, quelle est cette génération? Vous avez côté là-bas, moi? Vous avez beaucoup mis ensemble. Pour tel aimant, nous reposons dans la ego, nous sommes beaux dans la présence de Dieu, nous sommes bien. Tout tel aimant, tout coup mis ensemble. Parce que Yeshua s'est fait la quitter. C'est comme les enfants assis sur un lieu public. Ils chantent aux autres. Et les autres ne se languissent pas cette mélodie très douce. Alléluia. Mais maintenant, on a la hauteur. Thank you.
Alléluia. Alléluia. On a raté Yes, Alléluia. Jésus, merci, Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, ô Jésus. Alléluia. 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 Acclamez très fort. Il est là. Acclamez très fort, il est là. Acclamez très fort, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'attitude des prières. Alléluia. Là, nous continuons l'adoration. Et comme j'avais dit, il est beau et bienséant de frères de demeurer ensemble. On a les hommes de Dieu qui ont quitté Suisse, les montagnes de Suisse à cause de cette ici. Dieu est bon, il ressemble à ses enfants comme poulet qui ressemble à ses poussins. J'invite l'homme de Dieu, le pasteur qui est au milieu de nous, Bouddha, il va passer devant ici pour continuer car c'est lui le maître des cérémonies. Homme de Dieu, vous êtes invité au nom de Jésus. Prenez place. On acclame très fort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est beau et agréable que le frère demeure ensemble. C'est là où le Seigneur envoie la vie et la bénédiction. Amen. Amen. J'aimerais que continuer encore une fois avec l'adoration. C'est très important parce que Dieu siège au milieu de son peuple au moment où il y a l'adoration. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yeah.
crois que tous ensemble, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous ne dansons pas pour quelqu'un. Je ne danse pas non plus moi pour quelqu'un. Je suis venu, comme on a dit, l'orateur a dit, nous glorifions Jésus-Christ. Alors, si mes mains peuvent se battre pour la gloire de Dieu, je le donnerai. Si c'est mes pieds, si c'est ma foi, si c'est mon corps, je peux le faire. Et on va bien le voir, on va bien le voir, on va bien le voir.
Dieu tout-puissant, il est là, il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Prenez place. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Prenez place, s'il vous plaît. Je mets la déclaration de mon frère. Il a dit, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire une chose qui nous a poussé d'être là vraiment aussi pour la gloire du Seigneur. Vous savez, quand le roi se lève, il se décide, il appelle son peuple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le roi doit annoncer à son peuple. Que le Seigneur soit loué. Nous, nous sommes peuple de Dieu, la famille de Dieu, la nation de Dieu. Je disais que nous sommes là pour adorer le Seigneur, mais il y a un élément capital que le Seigneur a décidé que nous puissions nous réunir. Parce que si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Voilà. Il y a un choix. Je vous dis que Dieu a fait un choix. Dans le langage ecclésiastique, quand on dit un choix, c'est entre autres, c'est un appel. C'est la manière dont le Seigneur fait. Chaque fois, dans sa famille, dans sa nation, Dieu a l'habitude d'appeler des gens, de faire un choix. Alors, au sein de l'Église, second souffle, aujourd'hui, je vous annonce que le Seigneur a fait le choix. Amen. Amen, amen. C'est l'une des raisons qui fait que nous soyons tous là. C'est samedi, c'est pas le dimanche, juste pour honorer le Seigneur et accomplir la parole du Seigneur par rapport à son choix. Donc, nous sommes là non seulement pour adorer le Seigneur, mais parce que tout simplement, le Seigneur a fait un choix parmi nous. Hello. Gloire au Seigneur. Alors, parmi nous, au sein de l'Église Second Souffle, Dieu a fait le choix. Il a choisi certaines personnes, précisément pour son service. Ils seront là pour servir le Seigneur. Alors, parmi nous, il y a des personnes que Dieu a choisies. Je vais juste citer les noms. Et suivant les cultes, le Seigneur va les appeler pour les consacrer, pour les bénir. Alors, les concernés, nous avons parmi nous, pour certaines responsabilités au niveau de la chorale, il s'agit du frère Bersine qui sera soutenu par la sœur Mariam. La Bible dit que Dieu est Dieu d'ordre. C'est très important. Il faut qu'il y ait des gens, dès qu'on vient ici, ils sont là pour nous accueillir, pour nous donner la direction de ce culte. Donc, il y a un frère que Dieu a ajouté parmi ceux qui travaillent déjà à la responsabilité en qualité de protocole. Il s'agit de frère Pasco. J'ai la joie et je suis fier de vous annoncer encore, Dieu est Dieu d'ordre. L'Église a besoin d'une organisation parce que nous avons une grande vision. Et au sein de notre équipe de l'administration, j'ai ajouté la sœur Nelly en qualité de secrétaire. Yes.
Que le Seigneur soit loué. Alors j'annonce encore une fois que parmi nous, Dieu a choisi, heureusement, ce sont des femmes, comme diagonèse à l'église. Il s'agit de Maman Thérèse, Maman Céline. Dieu a choisi. Et celle-là est bonne. Comme la maison est tellement grande, le palais de Dieu est tellement grand, Dieu a ajouté au sein de l'église Second Souffle des anciens. Des gens qui seront là pour nous protéger spirituellement, pour nous conseiller. Il s'agit de Maman Bijou. Et Maman Micheline. Et Dieu merveilleux, malgré ses responsabilités, Dieu l'a choisi encore comme diagonèse. Il s'agit de Maman Cinda, Maman Pasteur. Alors on clame encore très fort. Acclamons très fort parce que les choses sont en train de monter. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas seulement question de responsabilité, mais je vous annonce aussi, parmi les gens que le Seigneur a choisis, il y a la responsabilité en qualité de ministre. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer, reconnaître un ministère parmi nous. Il était avec nous, il a travaillé dans la maison de Dieu comme ancien, comme Dieu est Dieu. C'est lui le roi de la maison, du palais. Il a décidé d'ajouter une responsabilité à mon frère, ancien Domingos, en qualité de ministre cet après-midi. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Yes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Les choses vont continuer cet après-midi. Je me réinvite l'homme de Dieu cet après-midi. Pour continuer le travail qu'il fait dans cette église. On se met debout. Je vous invite de se mettre debout. Là, nous voulons recevoir le père de la maison, le papa de la maison, le pasteur de la maison. Que Dieu soit loué. Avec toi, avec vos acclamations, nous recevons le pasteur Blaise Kelokwa pour la parole cet après-midi. Acclamons très fort, que le Seigneur soit loué. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Yes, yes, yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow, wow, wow. Écoutez, vous savez, nous bénissons Dieu. Dieu, il est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. On dit, il est terrible au milieu des saints. Donc, comme nous sommes ici, Dieu, il est terrible. Je signale déjà quelqu'un. Toi qui étais rentré si fatigué, toi qui étais rentré si malade, tu sortiras guéri au nom de Jésus. La Bible, on dit, personne n'est venu auprès de Dieu, il est retourné de la même façon. Quand tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui va se faire.
Mais vous savez, j'ai remarqué, on a chanté beaucoup en français. Vous savez, les chants de français, tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'onction. Moi, j'aime beaucoup chanter à Lingala. Est-ce qu'on peut, on peut chanter Balobinanga, Yesoué? Alors, chanter, danser pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut chanter? Alors, je vous invite à chanter, à danser pour la gloire de Dieu. Et après, on va parler de la part de Dieu. Yes, we're
binanga Yesué. Sala kani kama Yesué. Yanga na ye Yesué. Sala langa Yesué. Parce que ça va chauffer maintenant. Yes. Vous savez, quand je mets ça ainsi, je ne sais pas comment je vais. Parce que moi, quand je prêche, je tourne gauche à droite. Je me sens, je suis coincé ici. Mais nous allons parler de la part de Dieu. Dis-moi un grand amen. Alléluia, alléluia. Vous savez, mes amis, je bénis Dieu pour ce temps, pour ce moment. Nous avons un bon Dieu, un Dieu qui nous aime beaucoup. Alors, nous devons dire merci à Dieu dans toutes circonstances. Alors, nous disons un grand merci à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour ce temps qu'il a permis que tu sois parmi nous. Parce que dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Vous savez, Dieu avait déjà prédestiné, Dieu avait déjà préparé cette journée afin que toi tu sois là. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu seulement pour les gens qui vont être consacrés, mais tu es venu pour toi. Yes. Alléluia. Si tu es venu pour toi, donc tu vas bénéficier de l'onction qui sortira aujourd'hui. Dis-moi un ta grand amen. Vous savez, j'ai présenté les hommes de Dieu. Alléluia. Mais avant de prendre les hommes de Dieu, elle est où? Azawabi. Azawabi. Ah. Là, ma femme. T'as le vie. Azawabi. Azawabi. Oh. Bon. Acclamez quand même, ici. Acclamez Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais quand même dire quelque chose, vous savez, parfois, j'aime pas. Elle est où? Alléluia. On te cherche ici. Ouais. Qui encore? Alléluia. Vous savez, Dieu fait des choses de 100 manières, de 100 façons. Alléluia. Vous savez, j'aime pas beaucoup parler de ma femme. Mais pasteur, vous n'avez pas de comme moi, ce n'est. Alléluia, alléluia. Parce que, vous savez, j'aime beaucoup parler de la parole de Dieu. Mais quand l'homme était en train de parler, c'est ce que Dieu fait afin que je parle d'elle. Ce n'est pas mauvais de parler de ta femme. Alléluia. Alors, quand on l'a présenté comme on va la consacrer, on va prier pour elle comme un diaconèse. Or, ce n'est pas comme ça. On va prier pour elle comme une ancienne. Donc, Dieu a voulu que ce soit ainsi que je l'honore aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette dame? Alléluia.
Ce n'est pas moi qui ai dit diagonèse, parce que dans le papier, c'est bien écrit ancienne. Mais Dieu sait, Dieu a joué avec la bouche de son serviteur afin que moi je parle d'elle. Il faut savoir saisir les opportunités. Que Dieu te bénisse parce que tu es une grande bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Alors, j'aimerais bien accueillir les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Et les protocoles, j'ai besoin de la liste des hommes de Dieu, des protocoles. Les protocoles. Vous savez, nous devons accueillir les hommes de Dieu. C'est vraiment important parce que les hommes de Dieu sont vraiment une bénédiction pour nous. On est tellement bénis aujourd'hui parce qu'on a des servantes de Dieu, on a des hommes de Dieu, des hommes qui ont l'onction pour nous bénir. Alléluia! Alors aujourd'hui, bien-aimés, je suis vraiment dans la joie d'accueillir la servante de Dieu, notre maman Déborah. Il vient du ministère chrétien La Bonne Nouvelle. Elle se met debout, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Et après, on a aussi la servante de Dieu, Grâce. Je vois la prophétesse Grâce. Quand il s'élève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons un homme de Dieu que je le respecte beaucoup et je crois à son ministère. Le pasteur Franck Mboma, quand il se lève, on acclame, acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Et à part lui, on a aussi les hommes de Dieu. Lui, c'est un docteur. Vous savez, j'aime cet homme, j'aime sa foi. Je vais parler pendant 2 minutes à propos de sa foi, mais je parlerai ça après. Alléluia. Et quand je vais appeler cet homme, moi je dis, il est un homme fidèle. Le docteur Serge Kassanda, quand il se lève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi le évangéliste Sof. Vous savez, c'est un ami de longue date. On s'est connu il y a des années. Il est toujours là. Quand tu as besoin de lui, il est toujours là. Quand l'évangéliste Sof, il se lève, on acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Bon, vous savez, on a un pasteur que j'aime beaucoup, mais lui, il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa charmante. Vous allez demander des questions, mais pourquoi ils ont séparé les papas là-bas, les mamans là-bas? Alléluia. On veut d'abord honorer les hommes de Dieu, les hommes qui ont des ministères. Alléluia. C'est pour ça que vous avez remarqué, les mamans, les papas sont là-bas et les mamans sont là-bas. On ne peut pas séparer les gens, mais on fait ça pour d'abord honorer les hommes de Dieu. Vous savez, je suis en train de parler et je prêche aussi directement. Vous savez, quand nous parlons sur des mamans pasteurs, dis-moi. Quand nous parlons sur le maman pasteur, alléluia, maman pasteur, normalement, c'est lui qui a le ministère pastoral. Alléluia. Oh, la femme de pasteur, ce n'est pas un maman pasteur, mais c'est la femme de pasteur. Mais nous, on aime beaucoup appeler les femmes de pasteur maman pasteur. Ça, je pense, c'est au niveau du respect. Mais au niveau du ministère, ce n'est pas elle qui a le ministère pastoral, mais son homme. Parce que quand on appelle papa pasteur, donc celui-là, il a le ministère pastoral. Alléluia. Alors nous, nos femmes, on aime qu'on les appelle maman pasteur. On va vous appeler maman pasteur, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi préciser les choses. On vous appellera maman pasteur. Alléluia, alléluia. Acclamons Jésus. Donc, je disais que le pasteur Jarry, il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa charmante, la sœur Dina. Elle est là et le pasteur va s'élever. Maman aussi, elle s'élève. Et on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi évangéliste. Vous savez, c'est vraiment
c'est un ami, c'est un enfant de la foi. Et je lui ai beaucoup encadré. Aujourd'hui, il est le ministre et je lui dois beaucoup de respect. Parce qu'on est venu loin avec lui. L'évangéliste Mike, quand il se lève, on acclame très fort, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Vous savez, depuis que Dieu a croisé nos chemins avec lui, ça fait plus de 20 ans, on est toujours là. Il habite en Hollande, mais les gens croient qu'il habite ici. Parce que dans tous les événements qu'on organise, il est toujours là. Et il me soutient terrible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On avance. Et on a aussi, je vais vous présenter le pasteur. Ça, c'est vraiment un enfant. Il a grandi dans la maison. Alléluia. Vous savez, quand je le vois aujourd'hui, pasteur, je bénis le Seigneur. Parce que lui, il était persévérant. Après avoir prêché, il venait à la maison. Il m'a dit, pasteur, montre-moi ce que tu avais dit. Pasteur, explique-moi. Alléluia. Donc lui, il me suivait à la maison. Docteur Serge, il est là, il connaît. Quand le temps appelle, donne. J'ai prêché. Après la prédication, il me suivait à la maison. Pasteur, apprends-moi. Et aujourd'hui, il est pasteur. Il est devenu mon collègue dans le service. Est-ce que tu peux te lever? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vous savez, moi, quand je vois mes enfants sont en train de grandir comme ça, et je bénis le Seigneur. Vous savez, un leader, un pasteur, il fera tout afin que chacun de nous entre dans sa destinée. C'est pour ça que lorsque vous priez, vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme il est au ciel. Donc comme je suis aussi aujourd'hui, je prie afin que la volonté de Dieu manifeste dans ta vie. À quoi sert de freiner les gens? Oh, nous devons aider les gens d'avancer. Parce que si les gens-là avancent, ils montent, les gens-là vont t'attirer un jour. Alléluia. Et nous sommes là pour soutenir les gens d'avancer, de s'améliorer, d'aller dans leur destinée, de toucher ce que Dieu a dit pour eux. Alors lui, il n'est pas seul, il est aussi avec sa charmante maman Rachel. Hein. Quand elle se lève, on acclame Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons aussi un ancien, et je l'aime beaucoup, l'ancien Noël. Quand il va élever, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Hein. Elle est toujours avec sa charmante maman Chouna, tu te lèves et on acclame Jésus. Alors, j'espère que j'ai présenté tous les hommes de Dieu. Je n'ai pas oublié. Ah, José, c'est déjà, non? Pas encore. Ah, l'ami de longue date. Aïe, 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 aïe. Mais toi, je ne peux jamais t'oublier. Alors, comme ça, moi-même, je vais te faire. Ouais, viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme, le pasteur José? Il est toujours présent. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Ah, nous bénissons Dieu pour ses serviteurs. Je dis, ils sont les dons pour nous. Je vais expliquer après. Ces gens-là, ils sont des dons. S'il y a des gens qui abusent, nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons respecter des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont des canaux de bénédiction pour nous. J'aimerais encore acclamer pour tous ces hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Alléluia. Alors, s'il y a un homme de Dieu que je n'ai pas présenté, si tu es parmi nous, tu peux te mettre debout et l'église, nous tous, nous allons acclamer pour Jésus. Ok. Alors, bien-aimés de la Seigneur, avant de parler, j'aimerais quand même présenter, il y a des délégations. Alléluia. Il y a des délégations qui sont venues de loin. Parce que nous, dans notre ministère, nous avons des programmes qu'on appelle le programme de vainqueurs. Chaque vendredi, nous prions à partir de 23h jusqu'à 10h. Et là, nous avons les enfants qui sont partout dans le monde. D'autres qui sont en Angleterre, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont en Suisse, d'autres qui sont en Portugal. J'aimerais d'abord accueillir nos bien-aimés des vainqueurs qui sont venus de la France. Qu'il se met debout et nous allons acclamer pour les gens qui sont venus de la France.
Waouh, acclamons Jésus. Ah, ils sont venus de loin, ils sont venus de loin. Ça, c'est vraiment mes amis, et cela, c'est mon petit frère. On a grandi ensemble. À d'autres termes, ils sont aussi venus soutenir la famille Panda qui sont présents ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, mettez vos places. J'aimerais accueillir nos bien-aimés qui sont venus du Portugal. Ils sont où? Non, maman Telema, Portugal. Alléluia, alléluia, alléluia. Et on doit accueillir nos bien-aimés qui sont venus de l'Hollande. Hollande, d'abord, tout le monde. Hollande. Oh, mais Hollande. Hollande, bala, sego, bala. Oh! Alléluia! Est-ce qu'on peut maintenant accueillir des bien-aimés de Belgique? Bonne Belgique! Tout le monde en Belgique. Bonne appel à tout le monde. Hey! Bonne appel à tout le monde. Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Amen. Nous bénissons Dieu, nous allons fermer nos yeux. Je vais prier pour la parole de Dieu. Alléluia, praise the Lord. Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour, pour ta bonté. Nous bénissons ton nom car c'est toi qui as voulu que nous puissions mettre nos pas dans ces lieux. Nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Nous recommandons tout ce que nous allons parler, que cela soit pour ta gloire. Et toute puissance, Seigneur, qui ne confesse pas ta Seigneurie, je les repousse loin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé le Seigneur, comme j'avais dit, aujourd'hui nous sommes tellement bénis parce que c'est vraiment un samedi spécial. Ce n'est pas comme un samedi, ce n'est pas comme tous les samedis. Je vois les hommes de Dieu sont habillés dans leur toge, donc ça va avec l'onction des hommes de Dieu aussi, ça va bouger. Alléluia, alléluia. Comme on avait vu dans nos affiches, comme on avait publié, et aujourd'hui c'est un jour, l'homme de Dieu, le pasteur Kuba, il a déjà tout parlé et... Il a parlé ce que nous allons faire aujourd'hui. Il a parlé que nous allons confirmer le ministère et nous allons confirmer les appels de plusieurs personnes dans cet endroit. Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord, mon fils Alexandre va nous aider à faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 à verset 3. On se met debout, on lit pour le respect de la parole de Dieu. Actes chapitre 13, verset 2 à 3, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour qu'ils adoraient ensemble les seigneurs et qu'ils jeûnaient, les sept esprits leur dit, mettez à part par moi Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quoi? Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 4. C'est donc envoyé par les Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à celui-ci où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen, 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 amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen. Avec nous, on a trop continué. Ils ont beaucoup lu la Bible. Alléluia. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Alléluia. On a dit, notre thème, c'est, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Alléluia. Mais écoutez ici, la Bible commence d'abord pendant qu'ils servaient le Seigneur. Alléluia. Il dit pendant qu'il servait le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons parler du travail de Dieu. Nous allons parler des affaires du Seigneur. Vous savez, les affaires de Dieu, le travail de Dieu, ça concerne toutes les personnes. Alléluia.
Je répète, le travail de Dieu ou le service de Dieu, ça concerne tout le monde. La fois passée, j'avais dit, comment toi tu peux vivre en Belgique? Tu dis, la loi belge, ça ne me concerne pas. C'est impossible si tu vis en Belgique, tu ignores la loi belge. C'est impossible, tu ne peux jamais ignorer la loi belge pendant que tu vis en Belgique. Tu es obligé de respecter la loi belge. Alors, je vous signale, le monde que nous vivons, c'est Dieu qui a créé ce monde. Et tant que nous sommes les hommes que Dieu a créés, nous aussi, nous devons s'occuper des affaires de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, ça concerne pas seulement le consacré, mais ça concerne aussi toi. Dis-moi amen. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Comme toi, tu es là, ce n'est pas le diable qui t'a créé. Ce n'est pas même ton papa ou ta maman qui a pris la décision que tu viennes dans ce monde. C'est Dieu qui a préparé, c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a préparé et qui a accepté ta création. Dis-moi amen. Amen. Donc c'est pour ça que je dis, les affaires de Dieu, ça concerne tout le monde. Les affaires de Dieu, ça te concerne aussi. Alléluia, 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 alléluia. Ok, les affaires de Dieu, ça te concerne. Mais il ne faut jamais ignorer les affaires de Dieu. Tu dis que non, ça n'est pas mon problème, c'est leur problème. Non, bien aimé, les affaires de Dieu, l'œuvre de Dieu, ça te concerne. C'est pour cela aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Les gens négligent l'œuvre de Dieu. Les gens donnent beaucoup l'attention. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup de problèmes parce que les gens n'aiment pas, les gens ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Les gens négligent l'œuvre de Dieu, ils laissent l'œuvre de Dieu seulement pour pasteur ou pour maman pasteur ou pour ses frères-là ou pour ses sœurs-là. Je suis venu dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu, ça te concerne aussi. Comme tu vis dans le monde que Dieu a créé, sache-le, l'œuvre de Dieu, ça te concerne. Si tu es chauffeur, tu es obligé de respecter le code de la route. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es l'homme que Dieu a créé, tu es appelé à respecter aussi ce Dieu-là. C'est pour cela que on dit, si je suis père, où est l'honneur qui me doit? On dit pendant qu'il servait Dieu. Alléluia. Donc pendant qu'il était en service. Alléluia. Pendant qu'il servait Dieu, et à ce moment-là, Dieu a fait un choix. Pendant qu'il servait Dieu, si tu veux que Dieu fasse choix pour ta vie, commencez à servir Dieu. Les gens aiment que Dieu fasse ceci, mais toi tu fais quoi pour Dieu? Tu viens seulement chauffer des bancs ou bien l'œuvre de Dieu ça te concerne? Si Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, et pourquoi toi tu ne veux pas s'occuper des affaires de Dieu? Les politiciens disent, si tu t'occupes de la politique s'occupera de toi. Si tu n'occupes pas de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Et c'est très dangereux si Dieu s'occupe de toi. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu, ça te concerne, Yaya. Alléluia, alléluia. L'œuvre de Dieu, ça te concerne. Mais tu dois faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre un engagement de servir Dieu. Même la Bible dit, ne travaillez pas pour ceux qui subsistent. Pour ceux qui périssent, plutôt travailler pour ceux qui subsistera à la vie éternelle. Il y a des gens qui luttent pour construire des bâtiments, pour construire des maisons, mais ils ne luttent pas pour l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui gaspillent leur énergie, qui gaspillent leur force pour aller gagner les choses qui vont périr un jour. Mais ils négligent l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça te concerne. Vous savez, j'ai essayé de regarder le dictionnaire. Servir, c'est quoi? C'est un devoir. Servir, c'est un devoir. Donc, c'est un devoir que toi, tu vas faire. Servir, c'est obligatoire. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu.
service, c'est devoir. Donc, devoir, ça veut dire quoi? C'est les choses que tu dois faire. Donc, bien aimé, il n'y a personne que Dieu a créé, Dieu lui a envoyé dans ce monde pour aller seulement danser Mukongwankoba. Yaya, je vous dis les choses vraies. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. Et Dieu a une mission pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il faut accepter l'appel de Dieu. Il faut accepter de servir Dieu. Ne dis pas que je suis encore jeune. Ne dis pas que je suis déjà vieux. Non, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, accepte l'appel de Dieu et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit pendant qu'il servait Dieu. Donc Dieu fait seulement le choix quand on le sert. Alléluia. Il y a des gens qui se posent des questions. Comment je dois savoir mon ministère? Mais si tu ne fais rien, comment nous on peut remarquer que tu as quelque chose de Dieu? Quand tu fais à ce moment-là, nous allons remarquer, nous allons comprendre que tu as quelque chose de Dieu. Et quand tu as les encadrés vont t'encadrer afin que tu rentres dans ta destinée, afin que tu fasses ce que Dieu avait préparé pour toi. Mais il faut d'abord commencer à servir Dieu. Bon, yo l'embarraté, non, ne peut pas me mettre en l'embarraté. Eh, n'a pas le bâtiment, l'embarraté, pour n'a pas me mettre. Ah, la banane, ami, mon gomme, n'a yaya. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Pendant qu'il servait Dieu, ce n'est que dans le service que nous allons comprendre que celui-là, il a un don, celui-là, il a un ministère. Mais si toi, tu ne sers pas Dieu, bien, mais comment on peut savoir? Je suis en train d'encourager quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un de servir Dieu. Alléluia! Il y a des gens, bien aimés, qui luttent pour construire des bâtiments, des maisons. Demain, il va mourir. Nous, on connaît des gens qui ont construit des maisons, il n'a même pas dormi dans cette maison, mais il est parti. Il a laissé tout, il est parti. Bien-aimés, réveillons-nous pour servir Dieu. Le temps que nous sommes, c'est le temps de servir Dieu. S'il y a des gens qui abusent, je sais, il y a aussi des bons serviteurs, il y a aussi des bonnes servantes de Dieu. Si l'autre là, il a abusé, toi tu dis pas, moi je ne veux plus servir Dieu. Non, toi continue à servir Dieu, parce que c'est la raison par laquelle que Dieu nous a créés. Alléluia. Les hommes de Dieu, nous devons encourager les chrétiens de servir Dieu. D'œuvrer pour la gloire de Dieu, d'ajouter une pierre pour la gloire de Dieu. Dieu, vous savez, moi je dis, Dieu il est comme un entraîneur. Mais le joueur c'est moi. C'est moi qui marquera le goal. C'est moi qui marquera le but. Dieu il est un entraîneur. Il est en train de nous entraîner. C'est moi qui est en train de dribbler. C'est moi qui marquera le goal ici en Bruxelles. C'est moi qui marquera le goal ici en Belgique. Dis-moi amen. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est toi qui marquera le goal. C'est toi qui marquera le goal. C'est toi qui régneras. Alléluia, amen, yaya. Alléluia, amen, yaya. Génie, yaya, c'est toi. Parce que Dieu compte sur toi. Dis-moi, amen, plus fort. Il y a des gens qui disent que, yé. Non, yé, yonde. Alléluia. Yonde, yaya. Ici en Bruxelles, c'est moi. Alléluia. C'est moi qui régnera ici. C'est toi qui régnera ici. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Si les autres ont réussi, toi aussi, tu réussiras. Dis-moi, amen, plus fort. Dis-moi, amen, plus fort. Diana Yokasoni, le bas, amen, plus fort. Alléluia. Dieu, il ne viendra pas ici pour marquer le goal. Dieu ne viendra pas ici pour créer les entreprises. Mais c'est toi qui créeras les entreprises. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Yes, on est là pendant qu'il servait. Pendant qu'il servait. Alléluia, alléluia. Bien aimé, nous devons prendre conscience. Vous savez, les gens disent, les enfants du ténèbre sont plus sages que les enfants de la lumière. Alléluia. Parce qu'ils ne jouent pas avec le temps. Ils disent, il faut posséder. Ils disent, il faut faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui.
n'attends pas demain. Parce que la Bible dit, personne ne sait ce qu'une journée peut affanter. Tu ne sais pas, Yaya. Notre demain, c'est mystère. Personne ne sait précise ce qui vont, ce que la demain affantera. J'ai des prophéties. J'ai vu des gens qui ont des prophéties sont morts. Ils ont laissé les prophéties. Ils ont parti. J'ai vu les gens dire que Dieu dit que Dieu va l'utiliser très fort. Mais il est parti. Il a laissé les prophéties. C'est pour cela qu'il faut profiter chaque opportunité que Dieu est en train de nous donner de servir Dieu comme c'était ta dernière jour de vivre. Comme moi je dis, quand on donne la nourriture, il y a yaya. De quoi nous connaissons Olia. Mange vraiment. Comme c'était ta dernière jour de manger. Dis-moi amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia, alléluia. Vous savez, nous comme nous sommes ici, parce qu'on dit, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ça veut dire, comme nous sommes ici, nous sommes les appelés. Dis-moi amen. Alléluia, alléluia. Comme nous sommes ici, nous sommes sélectionnés par Dieu. Est-ce que l'église comprend ce que je suis en train de parler? Mais même mis à part, nous tous comme nous sommes ici, nous sommes mis à part. Alléluia. Donc, Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est quoi? C'est mettre à part. Donc, quand l'Esprit disait dans le livre des Actes, chapitre 13, que mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle les gens appelaient, ils étaient déjà à part. Alléluia. Ils étaient déjà à part parce qu'avec le service de Dieu, Dieu te prend d'abord dans le monde, il te met à part. Et quand tu es là à part, il te prend aussi. Il te donne aussi à part. Alléluia. Et là aussi, il te prend, il te met aussi à part. C'est pour ça que comme nous sommes ici, nous sommes les mis à part de Dieu. Nous sommes sélectionnés de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit, c'est Dieu qui nous a créés. Je vais dire une chose. Vous savez, comme nous sommes ici, Dieu n'a jamais médité de te faire du mal. Il ne médite jamais de te faire du mal. Je vais encore aller plus loin. Dieu n'a jamais été fatigué de te pardonner. Dieu n'a jamais été fatigué de te lever. Lui, il fait quoi? Lui, il est dans son trône. Il est là seulement pour ton bien. Il est là seulement pour te lever. Il est là seulement pour te donner la main, pour te soutenir. C'est ça ce que Dieu. Il n'a jamais mérité de t'écraser. Il mérite de te faire du bien. Mais parfois, nous ne comprenons pas la façon que Dieu agit dans nos vies. Comme j'avais expliqué la fois passée, Dieu ne te fera pas du plaisir. Dieu ne fait pas quelque chose pour te faire plaire, mais Dieu fait pour ton bien. Parce que faire plaisir et faire du bien, c'est deux choses différentes. Quand un enfant joue avec le couteau, pour lui c'est un plaisir. Quand tu lui arraches le couteau, il va voir que comme maman il est méchant. Mais tu fais pour son bien. Alléluia. Aïe 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 aïe. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu demandes à Dieu quelque chose. Dieu ne te donne pas aujourd'hui, toi tu vois comme tu t'as ignoré. Dieu il sait, si ça te donne aujourd'hui, ça ne sera pas un bien pour toi. Ça sera du plaisir, mais ça ne sera pas un bien pour toi. Alléluia. Amen. Dieu travaille pour ton bien. Il ne travaille pas pour ton plaisir. Il ne travaille pas pour te faire plaire. Mais il travaille pour ton bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. 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 Mais j'aimerais que nous puissions lire l'Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Amen. Ok. Il dit, choisissez parmi... Église, là, d'accord? Choisissez parmi... Il dit, choisissez parmi vous
Quand il choisissait parmi vous là, il ne parlait pas choisissait parmi les païens. Il parlait choisissait parmi les mis en part. Parmi les gens qui ont Jésus dans leur vie. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous imposons les gens des mains, nous donnons des responsabilités aux gens, même les païens, à cause des manques de personnes. Tu vois que ses frères, c'est un païen, mais tu lui donnes des responsabilités. Parce que, il donne, parce que, il chante bien, parce qu'il sait, parce qu'il parle bien français, tu vas devenir modérateur. Moi, je veux. Acclamons le nom de Jésus, parce que je vais avancer. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est ça, on dit choisissez parmi vous. Parmi vous, là, c'est choisissez parmi les mis à part. Choisissez parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit à Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, comment tu ne connais pas ces choses? Donc, malgré, il y a des gens qui sont devenus pasteurs, mais païens. Pasteurs païens. Ah ouais? Nicodème, il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas. Il avait fait sa repentance. C'était un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse, mais il n'y avait pas la nouvelle naissance à lui. Il dit, choisissez parmi vous. Donc nous devons choisir parmi les chrétiens, parmi les gens qui ont Jésus en eux, parmi les mis en part. Alléluia. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous choisissons même les gens parce qu'ils parlent bien l'anglais, ils parlent bien français, commencent à donner des annonces. Petit à petit, ils donnent des annonces. Petit à petit, ils commencent à dire, alléluia, alléluia. Il devient aussi pasteur, et on l'appelle pasteur. Il est parti comme ça, pasteur païen. Il y a déjà parce qu'il a une belle voix, maman. Il est au milieu des hommes de Dieu. Il n'a même pas fait la repentance. Mais tellement il est parmi les hommes de Dieu, il est devenu homme de Dieu. Mais bon, homme, Timothée. Choisissez parmi vous. Nous devons choisir parmi les enfants de Dieu. Alléluia. On ne sert pas Dieu quand on est païen. Avant de servir Dieu, il faut d'abord se convertir. Il faut d'abord être né de nouveau. Il faut d'abord donner ta vie en Jésus. C'est ça qui est plus important. Alléluia. C'est pour cela que tu rêves à remarquer les gens qui s'attachent au ministère, qui sont attachés au Dieu. Nous devons attacher à Dieu qui est au ministère. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'adoration, mais ils n'aiment pas celui qu'on doit adorer. Il y a des gens qui aiment prêcher. Ils prennent beaucoup de temps de prêcher. Ils prennent beaucoup de temps de parler avec les gens, mais ils prennent peu de temps avec Dieu. Nous devons prendre beaucoup de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Quand tu prends beaucoup de temps avec Dieu, tu vas commencer à en parler, ainsi dit le Seigneur. Mais quand tu prends beaucoup de temps avec les hommes, tu parleras ainsi par des hommes. Tu me ramènes plus fort comme ça, je vais avancer. Ici, c'est question de servir Dieu avec respect, avec l'honnêteté, avec du sérieux. Y a Dieu, on ne blague pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Aujourd'hui, même si notre église est affaiblie parce qu'il y a des chrétiens faibles. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église. Il faut qu'on lui dise qu'il faut qu'on lui téléphone. Il faut que le pasteur lui téléphone, vient. Non, bien-aimé, moi je viens à l'église pas qu'on me téléphone. Je viens parce que je sais à qui j'écris. Alléluia. Amen. C'est pour cela au début, j'avais dit, tu es venu pour toi. Tu croyais que je suis venu pour honorer ces gens. Oui, nous sommes venus honorer les gens qui vont être consacrés. Mais laisse-moi te dire, tu es venu aussi pour toi. Parce que les choses, la personne qui est plus importante dans ce monde, c'est toi. Même la Bible, on dit, tu aimeras ton Dieu comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu vas commencer d'abord à aimer ta vie avant d'aimer la vie d'autres personnes. Ah, dis-moi amen. Ah non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut d'abord commencer à aimer d'abord ta vie. Parce que si tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimeras pas ton prochain. Il faut commencer d'abord à aimer. Alléluia. À aimer ta vie. Être jaloux de toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Mais ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce qu'on dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, la Bible nous dit, à propos des anciens, à propos des diacres, on dit, choisissez
Alléluia. Là, la Bible, on dit que nous devons choisir. Et moi, j'ai choisi par rapport à ce que je vois parfois, ton comportement, ta maturité. Et là, on dit que nous devons choisir. En fait, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait les choix, mais à travers nous, à travers l'Église. Alléluia. Ça, on parle pour les diacres et pour les anciens. Nous allons lire le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Lisons. Alléluia, alléluia. Papa Alexandre, il est où? 1 Timothée, chapitre 3, lis-moi verset 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. On avance? Donc, il faut que les évêques soient irréprochables. Ok, vas-y. Ok. Ok. Honorable, hospitalier, propre à enseigner, non abonné au vin, non batteur, mais doux, non que ne le n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis. Ok. Écoutez, verset 4, on dit quoi? Qu'il dirige bien sa famille, okay, et maintienne ses enfants dans, okay, l'obéissance en toute dignité. Amen. Ça c'est très important. Il dit d'abord, on parle sur le choix. Alléluia. Il dit d'abord quoi? Il dit qu'il dirige bien sa propre maison. Alléluia. Qu'il dirige bien sa propre maison. Donc on ne peut pas choisir quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de sa femme ou de ses enfants. Alléluia. Nous devons choisir les gens qui se bien dirigent sa propre maison. Alléluia. C'est très très important. C'est pour cela au début j'avais dit la personne qui est importante dans la vie, c'est toi. Vous savez, même l'église n'est pas là pour au détriment de nous. L'église est là pour notre bien. L'église est là pour notre bien. L'église est là pour restaurer l'homme. Si l'église commence à nous détruire, là ce n'est plus l'église. L'église est là, c'est pour cela que je dis il faut aimer l'église. Il faut faire tout afin que l'œuvre de Dieu avance bien. Mais ne fermez pas tes yeux pendant que tu vois l'œuvre de Dieu en train de périr. Ne fermez pas les yeux. Pendant que le pasteur est en train de pleurer, on va payer la salle. Bien-aimé, ne fermez pas tes yeux. Parce que l'église c'est pour notre bien. Dis-moi amen. Qui dirige bien sa propre maison. Donc il faut diriger d'abord ce qui est à toi. Donc les choses acquises, comme moi je dis, les choses acquises, les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a bénies, c'est ça, ce sont des choses acquises. Tu dois d'abord commencer à bien diriger ta propre maison. Si tu ne diriges pas bien ta propre maison, comment tu peux diriger l'œuvre de Dieu? Alléluia, alléluia. Vous savez bien aimé, s'il y avait même une personne, Dieu voulait envoyer Jésus pour même toi. Vous savez, parfois, nous ne comprenons pas comment Dieu nous aime. Si tu veux comprendre seulement comment Dieu nous aime, regarde seulement Dieu a donné son fils uniquement pour toi. J'ai un grand prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as un grand prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Les gens de ce monde peuvent t'ignorer, peuvent te critiquer, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a des choses et des valeurs. C'est lui qui t'a créé, il a mis des choses, des valeurs en toi. Comme la fois passée, j'avais dit, la femme qui avait porté la vase d'alibâtre auprès de Jésus, on dit dans cette vase-là, il y avait un parfait de nard qui avait un grand prix. Mais les gens qui étaient autour, ils ne savaient pas que dans cette vase-là, il y avait un parfait de grand prix. Je suis venu dire à quelqu'un, en toi, il y a des choses de valeur. Les gens peuvent t'ignorer. C'est pour ça, ne te néglige pas, oh. Ne te néglige pas, maman.
des choses que Dieu a mis en toi a de valeur énorme. Beta maboko pona yomoko. Beta maboko pona yomoko. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la personne, la client, la personne la plus importante dans la vie, c'est toi. Et Dieu t'appelle de lui servir. Alléluia. Dieu, prenez conscience, bien-aimé. Et bien, on dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Laissez de dormir, dit qu'on rêvait. C'est le temps que nous tous, nous devons se mettre debout pour servir Dieu. Tu pries dans notre église, prends un engagement pour servir Dieu. Mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle que Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé pour un service. Dieu t'a appelé pour un plan. Dieu a un projet pour toi. Soyez discipliné dans ta vie, Yaya. Arrête de gaspiller ton argent pour rien. Alléluia. Vous savez, moi, je vous ai dit, vous savez, la vie. Le bain encore vie. Le bain encore vie. Yaya, la vie, c'est comme un crédit. Quand tu prends la banque, tu prends l'argent. Là, tu as pris le crédit. Tu vas commencer à jouer avec cet argent comme tu veux. Après, ça va te Vie. Et l'homme est devenu un être. Hein? Tu étais mort, mais Dieu a placé. Dieu t'a donné la vie. Dieu ne t'a pas donné la vie seulement pour. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Écoutez, bienvenue, Seigneur. Nous voulons prier Dieu. Alléluia. Je suis venu seulement te rappeler que Dieu t'a appelé. Dieu t'a créé pour lui servir. Tu es mis à part. Dieu compte sur toi. Pour ta famille, Dieu compte sur toi. Pour ton église, Dieu compte pour toi. Dieu compte pour toi. Dieu compte sur toi. Je veux que nous puissions prier. Arrêtez, bien-aimés, de rêver. C'est le temps de servir Dieu. Dieu attend des choses qu'il a mises en toi, que ces choses-là puissent exploiter, que ces choses-là, afin que d'autres personnes puissent bénéficier des choses que Dieu a mises en toi. Vous savez, un jour, je dis, celui qui fuit son appel, il est un danger public. Ne faut jamais fuir ton appel. Tu deviens un danger public pour ta famille. Yaya, aux actes danger public, oui, mais Jonas, Yaya, Jonas, à qui m'appelle Naye? Parce que ça, mon bon, quand t'as failli, pourquoi on a Jonas à qui m'appelle Naye? Nous autres qui m'appellent, on a danger public, pour la moi si, pour la banne, pour la passer, blesse, et dans la longue langue au nom de Jésus. Yoka! Papa, tu deviens un danger public. Il y a des gens qui ont fait des faillites. Il y a des gens qui sont mis à contenir un mot. A tchamo, si vous libabe, n'a bateau, et qui n'a Jonas. Si on défend Kimbongo, on se met un conteneur, on tient un bateau. Dans le bateau, si on bosse avec Jonas Azawana. Eh, on le dit. Si on se défend qui, je crois que c'est comme un tambour. Aïe, Bateau. Ne regardez pas ce que tu traverses, mais je suis venu te dire, Dieu a besoin de toi. Toi tu dis que j'ai le temps, mais Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a pas de temps. Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut aujourd'hui. C'est pour cela qu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps. C'est le temps que nous devons régner. C'est le temps que nous devons gouverner. Hollandie, ah maman du jour de couvrir. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Yaya, on n'a pas le temps.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que tu vas prendre une décision. C'est aujourd'hui que les choses vont bouger. C'est aujourd'hui que tu vas posséder. N'attends pas demain. Je suis venu accélérer ce qui est en toi. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier le grand Dieu. Alléluia. On va se mettre debout. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, Kababa, praise. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés de le Seigneur, nous allons prier Dieu. Au début de mon message, j'avais dit, tu n'étais pas seulement venu pour honorer les gens qui vont être consacrés, mais tu es venu aussi pour toi. Laisse que cette journée soit une journée qui va changer ta vie. Soit une journée qui va changer ta façon de servir Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé. Ne cessez pas ton cœur. Laisse que la journée d'aujourd'hui soit une journée qui va transformer ta façon de servir Dieu. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise. Hallelujah. Tous les membres au sang. Hallelujah, praise. Oh, vous savez, Dieu, quand il reçoit l'adoration, ça pousse Dieu à nous bénir. Quand on honore le nom de Dieu, ça pousse Dieu à nous bénir. Je veux que nous puissions amener quand l'adoration et dire que Dieu, tu es saint, tu es saint. Et nous allons prier. Alléluia. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Je ne dis pas demain, mais aujourd'hui.
Au début, j'avais dit, tu n'es pas venu seulement pour le consacrer, mais tu es venu aussi pour toi. Laisse que cette journée qui va impacter ta vie. Dis que tu ne vas pas sortir comme ça. Il faut que tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Élevons maintenant nos mains. Commencez à prier. Commencez à parler. Commencez à dire quelque chose. Car Dieu a des choses à faire avec toi. Commencez à prier. Priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Praise the Lord. Que Dieu te touche maintenant. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Dans le nom de Jésus. 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 Prions-le, prions-le, prions-le. Dans le nom de Jésus. 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 Bien, prie bien aimé. Prie bien aimé. Que tu ne sois pas la même personne. 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 Si tu es ici, tu n'es pas encore mis en part. Accepte Jésus. Même dans les secrets, Dieu te voit. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoutez. 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 Nous allons dire nous tous. Jésus, j'ai besoin de toi. Dis encore, Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, tu as besoin de Jésus. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Dis encore, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis encore, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Guéris ma vie. Bénis ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant la présence de Dieu dans ta vie. J'ai dit, reçois maintenant. Reçois maintenant. Que Dieu te touche maintenant. Toi qui es malade. Dieu te touche. Il y a un esprit. Il y a une puissance de guérison. Il y a une puissance de guérison. J'ai dit, il y a une puissance de guérison. Je dis, il y a une puissance de guérison. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oveyamba maintenant. Je dis à quelqu'un, Dieu te visite maintenant. Je dis, il y a la puissance de Dieu. Je dis, il y a l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Parce que Dieu est descendu. Il y a la main de Dieu qui va commencer maintenant à toucher. Il y a l'onction. Il y a la puissance de Dieu qui te touche. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yamba, 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 yamba. Reçois maintenant que Dieu te touche, que Dieu te touche maintenant dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que mon Dieu que je sers avec persévérance te visite maintenant. Reçois, 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 reçois. Dieu te visite, Ozoyamba, Ozoyamba, Ozoyamba. Reçois, 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 reçois. Que Dieu te visite. Reçois au nom de Jésus. Yamba, 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 yamba. Ozo yamba, ozo yamba, ozo yamba, ozo yamba, ozo yamba, ozo yamba.
reçois au nom de Jésus. Yamba. Dieu te visite, ma fille. Reçois la grâce. Tu as prié. Dieu a écouté ta prière. Il te visite maintenant. Il te visite. Yamba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Yambozo yamba. Il y a la puissance de Dieu maintenant. Je dis, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance. Dieu te visite maintenant. Je vois une forte onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Que Dieu te visite. Zambazo sukulama emusnayo. Zambazo pangusama emusnayo. Azo pangusango. Il m'a dit, il a écouté ta prière. Il est venu pour toi. Reçois! Au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Que Dieu console ton cœur. Reçois. Au nom de Jésus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bien-aimés, soyez concentrés. Nous sommes en train de prier Dieu. Il y a tellement l'esprit de Dieu, bien-aimés. Dieu va te toucher. Ne laissez pas cette opportunité passer devant toi. Saisir cette opportunité. Que Dieu te touche. Que Dieu guérit ton ministère. Que Dieu bénisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu a mis là, sa parole dans ta vie, la servante de Dieu. Dieu a mis sa parole en toi. Dieu est en train de confirmer encore son ministère. Je prie à la qualité de l'homme de Dieu. Je suis. Tes combats sont le combat de Dieu. La victoire est certaine. Reçois la puissance de Dieu. Je dis, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que le don que Dieu a mis en toi soit actif maintenant. Au nom de Jésus. Je te reçois maintenant. Tu vas recevoir encore la puissance de Dieu. Ozo yamba. Je te reçois. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu que je serve avec persévérance te visite encore au nouveau. Reçois la visitation divine. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Écoutez bien, mes seigneurs. Mettez-nous. Écoutez, je veux que nous puissions faire quelque chose. Hallelujah. Vous savez, bien, mes seigneurs, j'ai plein de témoignages. Hallelujah. Dieu est tellement bon. Dieu, il est terrible au milieu de ses enfants. Aujourd'hui, c'est une journée bénie, comme on avait dit avec l'homme de Dieu, le pasteur José Ntilou, que j'aime beaucoup. On peut acclamer pour cet homme dédié. Acclamons pour ce jeune solo. Amen. Acclamons. Que Dieu te bénisse. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus en retard. Ils n'ont pas fait ça exprès parce qu'ils avaient des problèmes de transport. Et on doit quand même honorer cet homme avant que je puisse continuer mon message. Nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Roger. Nous, on l'appelle le palumier. Si tu parles de l'histoire de l'église réveil en Hollande, tu parleras de cet homme. L'homme de Dieu, tu peux te mettre debout. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et nous avons le pasteur, vous savez, j'ai dit quand je suis venu ici en Belgique, j'ai œuvré chez le pasteur José Ntilulu. Tu vois, on est des bons termes avec lui, c'est pour cela qu'il est là. Il voulait parler, mais on va voir, il va quand même dire un mot. Et après, j'ai travaillé chez le pasteur Jean-Robert, il est là, il s'élève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Et on a l'homme de Dieu, le pasteur Guy, il s'élève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Écoutez bien, le Seigneur, je disais, vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Alors, j'aimerais que nous puissions faire aussi une offrande spéciale. Le bananga spécial. Le bananga encore spécial. Vous savez, quand je suis en train de parler, quand je parlais sur le ministère, sur le ministre, un ministre, d'abord, ça veut dire quoi? Un ministre, ça veut dire quoi? C'est d'abord un don et c'est aussi un sacrifice. Alors, un ministre, c'est d'abord un don et c'est aussi un sacrifice. On fait quoi avec les dons? On aime les dons, on chérit les dons, on prend soin des dons aussi. Mais le ministre, il est aussi lui-même un sacrifice pour l'Église. Donc, faire des sacrifices, c'est un domaine de Dieu. Donner, vous savez, donner, c'est un domaine de Dieu. Lisez bien la Bible. Dieu bénit après avoir donné à Dieu et Dieu bénit. Vous savez, Dieu avait besoin que nous puissions être remplis par le Saint-Esprit. Suivez ce que je suis en train de dire. Parce que la solution, c'était le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, quand lui, il viendra, il va changer le désert en un verger et le verger sera transformé comme une forêt. Mais on dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu d'en haut sur nous. Alors l'Esprit ne pouvait jamais descendre sans le sacrifice de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ meure afin que l'Esprit soit descendu. C'est pour cela qu'on parle d'abord de la crucifixion et on parle le Pentecôte. Le Pentecôte vient après la crucifixion. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de parler? Donc, pour Amen. Dieu, domaine des données, c'est son domaine. C'est un domaine. Dieu aime les gens qui donnent. Dis-moi, Dieu aime les gens qui donnent. Suivez bien. Quand Dieu consacre les gens, et quand on a consacré David, on a fait quoi? On a commencé à faire quoi? À donner d'abord. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons prier pour ces gens. Et j'aimerais que ton offrande puisse parler. Alléluia. J'aimerais que ce que tu vas faire puisse parler. Vous savez, j'ai un témoignage. Vous savez, j'ai un homme qui soutient mon ministère. Chaque fois quand j'ai des campagnes, quand j'ai des séminaires, il envoie l'argent. Parce que lui, il ne demande pas qu'on va contribuer combien. Lui-même, il envoie. Pasteur, j'ai envoyé 400. Pasteur, j'ai envoyé 200 pour soutenir. Et j'ai beaucoup prié pour cet homme. J'ai dit, le Dieu que je sers, Dieu va te bénir. Pas dans le petit montant, mais dans le 100, 200, 300, 1 million. Dieu te bénira. Je vous dis, s'il y a des gens qui soutiennent mon ministère, il est parmi ces gens-là. Mais je ne vais pas, il est parmi nous, mais autant à combonité. Vous êtes un combonité, on va dire son bon. Vous savez, la fois passée, je suis venu à la maison. Semaine passée, il vient à la maison. Je vous dis, il donne quand le baka appelle, s'arrête, s'arrête. Mais j'ai compris pourquoi Dieu l'a béni. Il est venu à la maison, il dit, pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Il est rentré dans mon bureau, il a sorti une enveloppe, il m'a donné 950 euros. Il dit, pasteur, tiens, c'est 950 euros. Je te dirai quoi? Je prie, j'ai dit, bon, je dis rien, on m'a dit rien, je n'ai pas dit à ma femme. Après 3 jours, 4 jours, il me téléphone, il dit, pasteur, j'ai fait encore un virement de 50 euros. Donc, c'est en tout 1000 euros. Je dis, pasteur, tu sais quoi? Pasteur, je crois à tes prières. Je crois à ton ministère. Pendant que je prie tout ce que tu me dis, quand tu parles des choses de 30, de 40 000, je crois à ce que tu me dis. Tout ce que Dieu fait pour toi, je crois. Tu sais, j'étais à la maison, il y a quelqu'un qui est venu avec 100 000. Il me dit, pasteur, il y a papier. 100 000. Hein? Il y en a un temps à communauté, nous avons dit que les gens sont bons. Parce que ça n'a pas de façon, nous avons bon à communauté. Même si nous avons posé un bon côté, si nous avons un bon à communauté, nous avons dit que nous avons 100 000. Moi, je dis, waouh! Il a dit, et la 100 000 là, il m'a donné, qu'est-ce qu'on va faire avec 100 000? Lui a dit, Dieu, c'est un Dieu saint. Il a dit, non, moi, avec ton 100 000 seulement, moi, je prends seulement 10 000 de dîmes et le reste, tu fais avec ce que tu fais. Et c'est pour cela, moi, j'ai pris 10 000. Moi aussi, j'ai enlevé 1 000 euros pour ma dîme. Voilà, je te donne. Alléluia. Et quand Dieu entendit ce témoignage, lui, il fallait que Dieu fasse cela. Parce que toi, tu as commencé à donner. Alléluia. Toi, tu as commencé à donner. Après, ça finit par, il dit, pasteur, ça commence à... Et il a laissé l'argent, il dit à le frère, il a pris ton argent. Il est parti, il vient encore, il a dit que non, ma mère m'a dit, il faut que toi, tu gères, c'est l'argent. Et c'était 100 000, ça devient maintenant 125 000. J'espère qu'il y a 25 000 en éthique. Ah oui, papa, et commis 125 000. Wow. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et il me dit, en plus, ce n'est pas fini. On me dit, fais-toi, gère ça. J'ai besoin que toi, tu puisses gérer ça. Il me demande, pasteur, tu veux qu'on fasse quoi avec cet argent? Moi, je dis, je vais prier afin que Dieu protège cet argent. Mais fais ce que ton cœur te dit de le faire
pour moi, je vais d'abord réfléchir ce que je te dirai. Mais fais ce que ton cœur te dit de le faire. Moi, je vais prier pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je vous le dis parce qu'il est quelqu'un, bien aimé, je vous le dis parce qu'il donne, parce qu'il a compris les secrets de donner à Dieu. Dis-moi amen. Yaya, vous savez, servir Dieu, c'est un sacrifice. Comme je dis, être un serviteur de Dieu, c'est un don, c'est aussi un sacrifice. Donc, Dieu, tu es un sacrifice. Dieu t'a donné. Alléluia. Et bien, on dit, il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est lui qui fait des sacrifices. Je te dis, tu ne fais pas des sacrifices, mais toi aussi, tu y es un sacrifice. Les hommes de Dieu, vous êtes des sacrifices. Il faut commencer, nous-mêmes, on doit commencer à faire des sacrifices si tu veux que les gens aussi fassent des sacrifices. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment qu'on leur donne, lui ne donne absolument rien. Tu ne seras jamais béni parce que toi, tu ne donnes pas. Prêcher, donner, ce n'est pas prêcher l'accumulation. Mais prêcher, l'argent doit être multiplié, remultiplié, multiplié, multiplié, remultiplié. Prêcher, donner, ce n'est pas prêcher l'accumulation. Oh. Alléluia. Homme de Dieu, les enfants de Dieu doivent bénir parce que l'Église a besoin de l'argent. Je veux que nous puissions faire une bonne offrande. Écoutez, je vous dis, j'ai trois témoignages. J'ai un de mes enfants qui est ici. Elle, au moins, je vais citer son nom. Et troisième, je citerai ton nom. Papa, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Les gens disent, mais pourquoi tu parles toujours d'elle? Je parle pour toi parce que je vois ce que Dieu a fait dans mon ministère. Si toi, Dieu fait aussi de toi, je parlerai de toi. Dans la Bible, on parle toujours de la femme qui avait des pertes de sang. On parle toujours de lui, de elle, jusqu'à ce que je parle de elle. Laisse-moi parler de ma fille. Dis-moi amen. Yaya, abote-moi, 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 abote-moi. Des années. Pleurer. Elle est venue à l'église. Si, pasteur, bienvenue, elle voulait témoigner. J'ai dit, viens, ma fille, je vais prier pour toi. Je lui ai imposé ma main. J'ai dit, bien aimé, tu vas faire une offrande spéciale. Devant l'église, comme ça. J'ai dit, tu vas faire une offrande spéciale. Ils ont parti à la banque. Ils m'ont donné 100 euros. J'ai prié, j'ai déclaré. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas être fécond. Elle rentre à la maison. Malade. Elle part à l'hôpital. Il y a combien? Il y a un mois. Donc, on va calculer les choses qu'on a besoin pour Naye. Et ça, il y a un mois. Donc, mon bénéfice est à la sage. Est-ce que tu peux te mettre debout en camp pour la gloire de Dieu? Mets-toi debout. Alléluia. Je veux des choses vraies, bien aimées. Nous devons apprendre à donner à Dieu. Il y a un homme de Dieu. Je vis parce que je suis, parce que je vois comment il a donné. Si j'ai mangé des dîmes, si on a bénéficié des dîmes, c'était les dîmes de cet homme-là. Je vais citer son nom. Il avait un problème de séjour ici en Belgique. D'ailleurs, il a galéré. Je priais pour cet homme parce que je sais comment il fait l'œuvre de Dieu. Un jour, il m'a dit, pasteur, je te soutiens avec les mains. Il faut soutenir les hommes de Dieu qui sont ici. Il a dit, pasteur, je te soutiens avec les mains. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il t'aime, il faut l'aimer. Vous savez, quand il faut travailler avec les gens qui t'aiment. Ne travaille pas avec les gens que toi, tu aimes. C'est pour cela, Jésus-Christ, il a donné la responsabilité à l'église, à Pierre, mais pas à Jean. Parce que Jean, c'était le Christ que Jésus aimait beaucoup. Mais Pierre était le disciple qui aimait beaucoup Jésus. C'est lui qui t'aime, il va te soutenir. C'est lui qui t'aime, il va t'aimer. Travailler avec les gens qui t'aiment, mais il ne faut pas travailler avec les gens que toi, tu aimes. Il faut apprendre à travailler avec les gens qui t'aiment. C'est pour cela que Christ a demandé à Pierre, même-t-il. Parce que je veux laisser la responsabilité. Est-ce que tu m'aimes? Je sais que tu m'aimes. Toi, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Il m'a dit, parce que je te soutiens avec les mains. Ça m'a touché. Il a un problème de ce jour. Pas de ce jour. Il a galéré cet homme. Si ce n'était pas Dieu, au jeu tombe. Il n'est pas vivant. Il vient et dit, prête-moi l'argent. Moi, je dis, ma femme a dit, moi je dis, il ne travaille pas. Ma femme a dit, prête-lui. Même il ne travaille pas. Je lui ai prêté l'argent. Il est parti chercher avocat. Il est parti chercher avocat. Après, il est parti dans l'intérim pour aller chercher le travail sans les papiers, sans le document. Je vous en dis, sans le document. Avec son nom propre. On lui a dit maintenant, tu as les séjours. Lui, sa foi, c'est terrible. Il a dit, oui, j'ai des séjours. Il n'a pas menti, mais il a accepté par la foi. Il a dit que j'ai les séjours. Il a commencé à travailler première semaine. Et deuxième semaine, on a dit que mais viens maintenant nous montrer ton séjour afin qu'on puisse prolonger ton contrat. Il m'a dit, on a commencé à prier. Et il a dit, il est fort par la foi. Il a dit, vendredi, je vais amener mon papier. Et j'ai dit, son avocat l'appelle.
Il dit, viens, viens parce que tu as ton séjour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yaya, ce n'est pas fini. Je vais vous dire des choses parce que nous devons être bénis. Première, son salaire. Quelqu'un qui avait dans le chômage des mois, des années. Première, son salaire. Il est venu me dire, pasteur, j'avais prêté ton argent, mais je ne vais pas te donner maintenant. Donne-moi l'année prochaine. Il a pris tout son salaire. Il a le moins à mon côté, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a fait des années qu'il n'a jamais travaillé. Mbongona Liboso. À paix sans pain, à quel pas que son âme repose en paix. Le pasteur Moutchebela. Il a donné son salaire, tout. On l'a prié pour lui. Cet homme-là, avec un salaire, il a acheté la maison. Aujourd'hui, je vous dis, cet homme-là, il a acheté la maison. Ce n'est pas pour se vanter, mais quand tu parles, la voiture, tu le roules avec. Hein? Plaque à voiture, n'est-ce pas combo? Est-ce qu'on peut acclamer cet homme, docteur Serge Cassandra? Il s'élève, on acclame Jésus. Acclamez Jésus. Aime-le tellement. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. D'ailleurs, bien-aimé, je veux que ton nom soit parmi les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu cette année. Je veux que nous puissions faire une bonne offrande qui va motiver encore Dieu à agir dans cette église. Si Dieu bénit cette église, tu seras aussi béni. J'ai besoin des gens qui vont dire que pasteur, moi je vais donner maintenant. On va commencer par combien? 10 personnes qui disent que moi je donne 5 euros. J'attends seulement. Ah oui, pasteur, il y a 5 euros. Viens mon fils, viens. 10 personnes. Et ça a mal à moko. Bino ma promesse, la bino au tu vas que pasteur a 5 euros. Qui a ça aussi? Homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, viens, 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 on va bénéficier. Viens, viens, tu vas bénéficier de l'onction. Viens. Viens. De l'homme de Dieu que je suis. Reçois la grâce de Dieu que tu touches des millions. Il y a un homme qui est en train de témoigner. Il a dit, pasteur, ce que tu m'avais dit, je vois maintenant, je les touche. Je te dis que dans ma maison, j'ai plus de 125 000 que je regarde. Je prie que cela te suive maintenant. Au nom de Jésus. On avance. Bien-aimés, soyez-vous à l'aise. Je veux que nous puissions faire une bonne offrande avant de prier. L'offrande qui va parler. On avance. Viens, maman. Viens, maman. Viens, maman. Tu es venu de loin, de la France, pour bénir ce ministère. Je dis que la grâce de Dieu, je dis, reçois la grâce de Dieu. Je dis, la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu donne le désir le plus profond de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Filmez. J'attends encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouais. Vas-y, c'est l'acte de la foi. Vas-y, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu. Que Dieu ouvre les portes de ton ministère. Que Dieu t'amène encore loin. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi. Il a dit, pasteur, je prie pour toi. Tu connais l'histoire. Il a dit, pasteur, je vois en toi une grâce financière. Et la finance me suit. Je prie que cette finance-là te suit dans le nom de Jésus. C'était à Le Rocher. Florine Pank, quand il a prié, ce qu'il a dit, et je transmets ça à toi maintenant, que tu puisses saisir cette grâce-là, que la finance te suit au nom de Jésus. On avance.
dans le nom de Jésus. Ah, maman, que le Dieu de Anne soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Je dis que le Dieu de Anne soit ton Dieu. Dieu console ton cœur. Il te console. Il te console. Il te console. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nzamba Anne Azala Nzambe na yo. Dans le nom de Jésus. Alléluia. A vous apporter moi d'accord. Que Dieu t'utilise dans les visions. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu te ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux. Zambé, on assemble avec persévérance. Le Dieu qui m'a appelé dans le ministère, qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. On avance. On avance. Fais donner, Seigneur. Alléluia. Mais je n'aimerais pas que tu rates cette opportunité. J'aimerais que tu sois parmi les gens qui vont bénéficier de cette onction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Celui qui dit que Seigneur, je vais donner 50 euros qui viennent. Je vais prier. Viens, je vais prier pour toi. N'hésitez pas, bien-aimé. Que Dieu, que mon Dieu, vous savez, bien-aimé, le Seigneur, pour finir, avant qu'on prie pour les gens, vous savez, un jour, suivez-moi bien, les hommes de Dieu, écoutez, Yaya, Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais Abraham a demandé à Dieu, comment je peux savoir que toi, Dieu, tu vas me bénir? Alléluia. Et Dieu lui a dit, écoutez, je vais lire. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir des ours des chandelles pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai? Bien aimé, j'ai dit que tu vas posséder, tu vas régner. Demande à Dieu, mais comment tu vas savoir que tu vas régner? J'ai dit que c'est toi qui vas régner ici, mais demande à Dieu, dis Dieu, comment je vais savoir que moi, je vais régner. Écoutez la réponse de Dieu. Verset 4. Verset 9 plutôt. Il lui dit, prends une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tortelle et une jeune colombe pour me le offrir. Écoutez, c'est, Dieu a dit qu'il va bénir Abraham. Mais Abraham demande à Dieu, mais Dieu, comment je vais savoir que les choses qu'il m'a dit, c'est vrai? Et Dieu lui a dit, commencez d'abord à donner offrande. Je vais vous expliquer un secret de l'offrande. Parce que là, on dit, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Alléluia. Donc l'offrande, c'est question de la foi. Quand tu donnes, donc tu sais que oui, j'ai donné. Donc tu as les preuves. Parce que Dieu, vous savez, Dieu cherche les choses naturelles pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Il a dit, commencez d'abord à donner. Pour dire que, mais moi, comment je vais savoir, hein? Je vais bénir, je vais posséder le pays. Dieu lui a dit, commencez d'abord à donner. Parce que le fait que tu donnes, là, c'est l'acte de la foi. Donc, tu sais que non, j'ai donné. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne fera absolument rien dans ta vie. C'est pour cela que Dieu a mené Abraham par la foi. Abraham a commencé à donner pour posséder. Dieu dit que moi, je veux te bénir. Mais Dieu te demande encore de lui bénir afin que lui, il te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer, 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 acclamer. Écoutez, bien, mes seigneurs, nous voulons passer maintenant au service. Nous voulons passer au service. Alléluia.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons passer au service. Bien aimé, pendant qu'ils sont en train de parler, quand tu sens que Dieu t'a touché de faire quelque chose, n'hésitez pas. Il faut toujours le faire. Alléluia. Dieu, il est un Dieu d'alliance. Nous allons prier maintenant. On se met debout. J'aimerais que nous puissions prier, recommander ce moment entre la main de Dieu que nous voulons passer maintenant à la service des consécrations. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. J'aimerais que tu puisses donner à Dieu une offrande d'adoration. Dis à quelque chose afin que l'onction descende encore. Je vous avais expliqué, le Saint-Esprit, il ne devait pas descendre sans l'offrande de Jésus. Quand Dieu a donné son Fils, et c'est là qui a fait que le Saint-Esprit soit descendu vers nous. Bien, mais j'aimerais que même toi qui n'as pas donné quelque chose, toi qui veux que oui, je vais donner, mais je n'ai pas, toi qui dis que je donnerai, bien-aimé, avec ton offrande, avec ta bouche, commencez seulement à adorer maintenant ce Dieu-là, afin que l'onction de Dieu descende dans la vie de nos bien-aimés. Prions Dieu maintenant. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, alléluia. Alléluia, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise. Hallelujah, praise. Au service, Seigneur Dieu. Je bénis ce temps, je bénis ce moment dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Prenons nos places. Je vais appeler l'évangéliste Mike et le pasteur Patrick qui vont venir m'aider. Venez, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Viens, j'ai besoin de vous. Nous allons d'abord commencer. Venez rester ici, j'ai besoin de vous. Aide-moi donne-moi huile d'onction. Aide-moi huile d'onction, j'ai besoin de huile d'onction. Et on va d'abord appeler d'abord la liste là. Il y a tellement beaucoup de papiers ici. Et on appelle d'abord notre frère Bercy, mais comme on avait dit, on va prier pour lui parce que c'est lui qui va prendre maintenant la responsabilité de l'équipe de louange ou le choral avec la sœur Maria. Qui est derrière les écrans, elles vont venir, nous allons prier pour elles. Alléluia, please. Alléluia. J'aimerais que si les hommes de Dieu peuvent quand même, on s'aimait quand même debout, et les hommes de Dieu,
on va se mettre debout. L'église va mettre debout parce que nous allons prier. Alléluia. Praise the Lord. Praise. Vous savez, le service de Dieu, c'est un service sacré. Le service sacré, ça demande beaucoup de respect. Ça demande aussi beaucoup d'honnêteté. Et ça demande aussi beaucoup de sérieux. Je vais prier maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, praise the Lord. Dans le nom de Jésus, reçois maintenant l'onction. Que tu sois un bon dirigeant. Dans le nom de Jésus. Que tu sois un bon dirigeant. Dans le nom de Jésus. Que Dieu met maintenant l'autorité sur tes épaules pour diriger. Et que tu puisses avoir aussi un grand cœur. Dans le nom de Jésus. Des protocoles dans cette église. Et je te bénis, étant que le visionnaire, je te bénis, étant que l'homme de Dieu, que tu fais ton travail avec l'honnêteté, avec du sérieux, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant l'onction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sœur Nelly, celle qui sera la secrétaire de l'église. Dans le nom de Jésus, je prie à la qualité de l'homme de Dieu. Je dis reçois maintenant l'onction. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, l'onction maintenant. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Yamba yamba osala itil na mosala oyo osala itil na mosala oyo samba pesa o sagesse a pesa o sagesse a pesa o sagesse au nom de Jésus. Je vais prier pour nos Douanais, ils vont passer devant.
Maman Céline et Maman Thérèse, ils vont passer. Et l'ancien Rebecca et l'ancien Léa, ils vont nous aider pour leur torche. Je vais prier pour eux. Je suis. Nous confirmons, nous acceptons que tu puisses œuvrer dans cette église à la qualité de diagonèse pour s'occuper des affaires du Dieu dans le nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Je t'impose la main à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Reçois maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous confirmons, je confirme ton appel. Et tant que diagonèse dans cette église maintenant, dans le nom de Jésus, reçois l'onction maintenant pour bien faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Car toi aussi tu es mis à part. Reçois. Reçois maintenant au nom de Jésus. L'onction c'est pour toi. L'onction c'est pour toi. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Au nom de Jésus. Je vais appeler maintenant l'ancien. Je vais appeler maintenant Maman Micheline. Vous savez, j'ai un grand témoignage pour cette dame. Ça fait plus. Vous savez, j'ai un grand témoignage pour cette dame. Ce n'est pas aujourd'hui que je le connais dans le Seigneur. Ça fait plus de 30 ans que je le connais dans le Seigneur. Je vous le dis, elle est parmi les enfants, le premier enfant qu'on a gagné dans le Seigneur. Ça fait plus de 30 ans que je le connais. Et aujourd'hui, je suis en train de prier pour elle à la qualité de l'ancien dans cette église. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, 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 au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Oh, le Dieu qui console, il te console maintenant. Il te console maintenant. Il te console maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons appeler la servante de Dieu, la sœur Bijou. Elle va passer, nous allons prier. Je vais prier pour elle, étant qu'ancienne dans cette église. Vous savez, j'aimerais quand même honorer un homme de Dieu, parce que le pasteur est bienvenu, Léo. Il est où? Pasteur, bienvenue, viens, on va prier. Maman, je vais honorer cet homme, parce que c'est un enfant qu'on a encadré. Et aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue. On sait là où Dieu nous a croisé nos chemins. Ça fait plus de 25 ans qu'on est toujours ensemble. Alors, je vais appeler cet homme. Je vais te donner cet honneur-là de prier maintenant pour ta fille. Quelle faveur et quelle grâce. Dans les circonstances et le temps, Dieu a permis que ce jour puisse réaliser, s'accomplir. Bijou, notre sœur, nous connaissons le combat que tu es en train d'endurer dans la foi. Mais ce soir, je prie pour toi, en accord avec tous les anciens de l'église et les hommes de Dieu si présents, que tu sois un instrument capable pour la moisson. Nous sommes des faucilles entre les mains du Seigneur, mais tu sois une faucille qui est plein d'onction, plein de puissance pour la moisson. Car Jésus-Christ a dit que la moisson de la terre est mûre. Du jour que tu avances, que tu sers Dieu dans la crainte, dans l'humilité et surtout de persévérer dans la foi. Que les œuvres que tu vas produire soient les œuvres parfaites et parfaitement entre les mains de celui qui t'a appelé. À travers tous les anciens de l'église et cet homme qui nous a honoré ce soir, qui s'appelle Pasteur Blaise Lecoy, que je porte encore de tout mon cœur. On a permis que nous puissions nous déplacer dans des pays là où nous habitons pour venir t'honorer, honorer ce Dieu-là. Bijou, vis ta vie dans la foi et j'espère que dans un jour, en servant l'Éternel, comme Paul dit, que je suis fier de toi, afin que nous puissions un jour nous rencontrer dans le ciel. Que le Seigneur te bénisse et bénisse toute sa famille dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis reçois l'onction maintenant. Je dis yamba, ozo 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 yamba. Chère là, comme ça on a la place et je vais appeler le pasteur et il va venir. Je laisse l'homme de Dieu, viens, tu vas déclarer. Le ciel est ouvert, la gloire est descendue. Les anges sont en train de crier gloire, gloire, gloire à l'agneau. Père, voilà l'offrande que nous montons. Nous présentons devant toi au sein de cette église, Second Souffle. Que la gloire
et la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ta servante. Et ses responsabilités, qu'elle ne fasse pas seule. Tu l'accompagnes. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre la sagesse et l'intelligence dans sa vie. Au nom de Jésus. Je prie maintenant à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Je confirme maintenant ton appel étant qu'ancienne dans cette église. Que Dieu te donne l'autorité dans les noms de Jésus. Je te reçois maintenant. Reçois la puissance de Dieu maintenant dans ta vie. Reçois l'onction. Osoyamba. L'onction. Dieu te donne la parole. La grâce de la parole. Tu vas prêcher comme tu l'as prêcher. L'onction est là. La grâce de la parole. Je vois Dieu en train d'ouvrir tes yeux. Dieu en train d'ouvrir tes yeux. Au nom de Jésus, que ta bouche ouvre. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Aide-la. Praise the Lord. Écoutez, bien aimé, j'aimerais que les hommes de Dieu tout passent maintenant devant. Tous les hommes de Dieu passent maintenant devant. Écoutez, je veux quand même nous puissions se mettre debout parce que nous allons introduire quelqu'un dans le ministère pastoral. Vous savez, cet homme, il y a des hommes de Dieu qui vont témoigner pour cet homme. Je vais appeler l'ancien Denis. Ça fait plus de 13 ans que je connais cet homme. Vous savez, il a un grand cœur. Je ne vais pas beaucoup parler pour toi, mais il y aura des gens qui parleront, qui vont témoigner pour ton grand cœur. Quand il est venu dans cette église, quand je le vis, je vis un pasteur. Mais moi, dans mon... J'ai dit que c'est trop pressé. Ils ne savent pas, personne ne sait ce que Dieu m'a dit quand cet homme est rentré à l'église. Je le vis un pasteur, mais j'ai dit, on t'appelle comment? Comme Dieu avait demandé à Jacob, comment on t'appelle? Moi, je m'appelle Papa Domingo. Moi, je dis, comment on t'appelle Papa Domingo? Moi, je vais prier pour toi comme un ancien. Et quand je l'ai consacré comme un ancien, et j'avais prié aussi pour lui comme un évangéliste. Et aujourd'hui, il fait un travail extraordinaire. Les gens qui le connaissent, qui l'écoutent et savent ce que je suis en train de parler. On avait confirmé son ministère d'évangélique ici. Je vais attendre encore. J'ai dû patienter. Vous savez, avant de consacrer quelqu'un dans le ministère, les hommes de Dieu, si la personne ne donne pas la dîme, ne soyez pas pressé de consacrer. Parce que servir Dieu, c'est faire des sacrifices énormes. C'est lui qui ne sait pas donner lui-même son bien. Il n'est pas digne d'être un serviteur de Dieu. Parce qu'il y aura un moment donné, vous savez, ces hommes font des sacrifices extraordinaires. Il y a un moment donné, les chrétiens ne donnent pas. Pourquoi? Parce que tu vas donner, tu vas payer l'église. Même les hommes. Sinon, si tu ne sais pas donner, tu vas comme un pasteur colérique. On s'en appelle mon cousin parce que nous sommes bons, on a auto fouta. Et moi, quand je parle comme ça, je paye. Et je l'ai observé.
Il est fidèle avec ses dîmes. Et quand Dieu confirme, et moi je vais dire quoi, l'homme de Dieu? Ce n'est pas moi qui dois le ministère. Moi, je viens seulement confirmer son ministère pastoral. Toi, tu veux servir Dieu, toi-même, tu ne donnes pas. Toi, tu sais seulement demander. Moi, quand j'appelle les filles, je fais la paix des fonds, je suis fier parce que moi-même, je donne. Alléluia. Je l'ai observé. Un jour, j'ai dit non, attends d'abord. J'ai appelé pasteur. Moi, j'ai dit, mais comment tu t'appelles pasteur? Moi, je dis, ancien, comment tu t'appelles pasteur? Et Dieu m'a dit, c'est son ministère. Alors, vous voulez quoi que je refuse? J'ai fait qu'obéir à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons confirmer son ministère étant que pasteur dans cette église. Vous savez, et j'ai rigolé, j'ai dit, maintenant, quand on tient aux fierté, parce que tout le pasteur est là, on tient aux fierté. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui vont évoluer. Parce que tu n'as pas besoin de faire taper les fiers. Si. Okay. Alléluia. Donc, je ne vais pas commencer à faire des fiers parce qu'on a des pasteurs. Maintenant, prochainement, tu mangeras aussi la dîme. Ça va? Ok. Il va s'agenouiller ici. Mais j'aimerais quand même de l'homme de Dieu fait un court témoignage pour cet homme. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Robert. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Azoloba Mukie Pona. Merci pour ton ensemble. Amen. 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 Azoloba Mukie Pona. Moutou Nzambe, Papa Domingo. Nasi Tangwaye, Namna Yambakiye. Nanzila, Papa Labiso Gilles, na Maman Labiso Léa. Bon, baye la kingaye, Papa Nangaye, na Maman. Aza, Moutou Nzambe. Amen. Amen. Nasala ki voyage moko, na Nigeria. Et moi, na tika ki responsabilité, na église. Azoaki bato ya commandement na mon absence et attendu ça qui nous sala lenge singela ki et na retour na ngaya Nigeria azong ça qui ngai baton baza mingite lelo soko pesi mutu musala sala toyebi tangolo ke na simana yo a Congoli tangoyo ya oza perdu mais j'étais au Nigeria asala qui musala convenablement et loko naza ko retenir panaye aza fidèle. Aza fidèle na musala naye. Aza lo bangola ba sentimenté. Aza lo ba makambo na yebi pela za ko confirmer. Maman. Pasteur, ce que toza ko bon de la panaye na maza la pembeni. OK. En tout cas, nzamba pambola yo. Vous avez vraiment le vrai Moussungi permis à papa eux et au soutenir banda Afrique qui nous l'élo Zamba le kanako pambola yo au talaki au batu anego roba pona tina na yete mais au kangama ki na ye aux ali pamboli pona tina na ye compte ya ali pamboli pona tina na yo au salami pogo za la bilo mi balé ensemble pe botamu lanzela ensemble papa Domingo nangi de solo ki dimanche. Et les a confirmation. Ici, quand nous sommes l'état qui nous sommes là par lequel nous sommes là, qui a formé. Les a confirmation. Nous allons voir le bâti. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, ministère qui est de Liboso. Au matin de gloire en gloire, de succès en succès. Nous allons là pour soutenir et nous allons là pour soutenir. Merci monsieur. Alors bien aimé, nous allons appeler le pasteur Fouamba parce qu'il a travaillé avec beaucoup de pasteurs. Tous les pasteurs donnent quand même leur témoignage pour montrer que cet homme, il est un homme de bien.
Et moi, je l'ai confirmé parce qu'il travaille maintenant dans cette église et je suis en train de confirmer. Alors, je vais appeler le pasteur Fomba, il est où et pasteur Mwamba et maman Vienne sont là. Ok. Et aussi, ils ont un témoignage, court témoignage pour notre bien-aimé qu'on va prier bientôt. Ouais, amen. Oui, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de notre frère. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire, mais j'aimerais insister sur un point. Comme notre frère vient de le dire, c'est un frère fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et aussi, il n'est pas pressé quand il fait ces choses. Il le fait tellement bien qu'il prend son temps. Il a le temps de penser et il a le temps d'agir aussi. Je me rappelle que quand il est venu, quand on s'est vu au Portugal, alors il m'avait dit quelque chose qui est resté en moi. Il avait dit ceci, parce que je n'aimerais pas parler de moi-même, mais j'aimerais que s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux parler de moi, là je serais content. Je ne suis pas pressé, mais j'aimerais que tu m'observes. Alors, il m'a fait voir les cassettes. C'est un frère qui a commencé le travail il y a longtemps en Afrique avec sa femme, oui, bien sûr. Et j'étais vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de très bon qui va se réaliser. Et là, on est arrivé, je pense, j'ose croire, que la fidélité de Dieu est au rendez-vous. Et je pense aussi que le peuple de Dieu sera vraiment béni, car au travers de ses frères, Il y a l'eau à boire, il y a l'eau à donner. Alléluia. Si pas dit, la nourriture à donner. Il amène tout dans un sens correct. Et il cherche aussi la contribution de tout un chacun. Alors, à cela, il a beaucoup contribué pour le jeune couple au Portugal. Il a beaucoup contribué pour les jeunes frères. Et vraiment, il a été formidable à sa tâche jusqu'au point que quand Dieu l'a permis, il est venu ici dans ce pays. Je crois qu'avec l'orientation de Dieu, Dieu fera encore mieux. Alors tout à l'heure, en venant ici, quand je suis entré dans la voiture, là, Dieu m'a donné une parole. Et j'ai cherché à voir cela dans Psaume 85. Et Dieu dit ceci, que la fidélité germera de la terre. Alors là, je cherchais à comprendre cela, je priais. Alors j'ai compris une chose, que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle, mais quand il s'agit de la fidélité, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne peut pas empêcher. C'est quelque chose qui est plus que nous. Dans le sens que quand le moment est venu, bien que la parole dit que Dieu reste fidèle, nous qui sommes les hommes, des fois nous sommes infidèles. Mais quand Dieu parle que la fidélité germera de la terre, ça arrivera un moment où la volonté de Dieu doit s'accomplir. Qu'il neige, qu'il pleuve, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Et je pense que c'est le moment. La volonté de Dieu est là. Et je bénis Dieu, je bénis l'homme de Dieu et l'assemblée. Et c'est une joie pour moi immense d'être ici ensemble avec vous, accompagner notre frère bien-aimé. Et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, merci, on me dit. Bien-aimé le Seigneur, je vais prier pour cet homme. Mais avant que je prie pour cet homme, il y a un homme de Dieu, le pasteur Jacques. Il connaît aussi Papa Doumi. Il m'a demandé, pasteur, je peux parler. Mais comme c'est la fête, je lui donne seulement 2 minutes. Ah, ok. Je vais donner la parole à Pasteur Jacques parce qu'il dit qu'il veut parler. Comme c'est la fête, je n'ai pas le privé.
comme c'est la fête, je donne seulement 2 minutes. Je vais dire quelques mots. Ok, ça va. Amen. Paul Tangazo, donc, qu'on réprimandait Bandekwa Corinthe. Bandekwa Corinthe. Alobi, atangina nombre à Batou à baptisa. Qu'on baptise Batou à mon équipe charge. Alors qu'on impose mes colons moutou. Et sa charge qu'on les kakoutou. Nous sommes en témoigné pour la moutou dans Zambé Oyo. Parce que c'est un homme de Dieu. Donc, nous avons un risque. Wana. Donc, ce qui est mati, nous avons avoir un sima, nous sentir que ce qui est mati, nous avons un tel qu'on na été dans un problème. Tout ça, nous avons un salam. Nous avons un engagé. Donc, un homme humble, exemplaire, donc il est chrétien partout. Donc, bah, homme de Dieu, ce qui te retient ma boko, l'icolo na ye, toi hésite te. Toi soit autre, zanango, toi tchè l'icolo mon déco. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, homme de Dieu. Écoutez, bien-aimé de la Seigneur, je vais prier pour cet homme pour confirmer son ministère pastoral. Je dis, je vais en train de confirmer son ministère. Alléluia. Et je mets ce que l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Robert a dit, on priera pour sa femme. Mais on priera pas pour sa femme comme maman pasteur. On priera pour sa femme comme la femme des pasteurs. Parce que quand on dit hey, maman pasteur, c'est lui qui a un ministère pastoral. Nous, on aime qu'on nous appelle maman pasteur. On vous appellera pasteur, mais on vous appellera maman pasteur. Mais vous n'êtes pas des pasteurs. Vous êtes des femmes des pasteurs. Et vous êtes là pour soutenir l'appel que Dieu a donné à vos maris. Ce n'est pas vous qui dirigez l'église. C'est Marie, c'est vos maris qui dirigent l'église. Ce n'est pas vous, les femmes de pasteurs, qui dirigez l'église. Et j'ai dit avec hop, il y a des secrets des gens. Toi et Dieu, personne ne peut connaître ça. Ce que Dieu t'a dit, oh yo le belangate. C'est toi que Dieu a appelé. Elle, elle est là pour soutenir le ministère que Dieu t'a donné. Amen. C'est pour cela que quand je vais prier pour toi, elle, elle sera derrière pour te soutenir. Amen. Et on a besoin de nos femmes pour nous soutenir. Amen. Et vous savez, être femme de pasteur, ce n'est pas facile. Yes. C'est épouser ses humiliations. C'est épouser ses défis. C'est épouser ses injures. C'est épouser sa gloire. Et c'est épouser aussi ses difficultés. Être ma pasteur, il faut avoir un grand cœur à supporter. Vous savez, le ma pasteur, tout, vous voyez, ce sont vos enfants. C'est pour cela qu'on vous appelle maman. Vous devez avoir un grand cœur, maman, à supporter. Il ne faut jamais être jaloux, oh! C'est un homme fidèle. Maman, tellement bon, merci. Faut qu'on merci. Je vais d'abord prier pour la Saint Domingo au titre du ministère pastoral. Après, je vais prier pour sa femme, pour la soutenir. Elle est déjà diagonale. Pour soutenir son mari dans son appel. Être la femme de pasteur, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais Dieu vous donne la grâce. Je sais que Dieu t'a mis auprès de cet homme-là. Tu as des capacités, des supporter, des caprices, des fidèles. Les hommes de Dieu, nous allons élever nos mains. Élever nos mains. Pendant que moi je prie, élevons nos mains avec moi. Élevons nos mains pour commencer à prier. En fait, moi je prie. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je suis en train de confirmer ton ministère. Dans le ministère pastoral. Dans le nom de Jésus, que Dieu ouvre les portes. Dans ta vie, dans ton ministère, que tu sois fort.
puisses posséder, que tu puisses régner, que la parole de feu sort de ta bouche dans les noms de Jésus. Reçois maintenant la grâce, reçois maintenant l'onction dans les noms de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction c'est pour toi, l'onction c'est pour toi, l'onction c'est pour toi. Ozo yamba moto, ozo yamba, ozo yamba, ozo yamba. Je dis, je redis à la qualité de l'homme de Dieu que je suis, reçois maintenant l'onction, reçois maintenant l'onction, que tu sois utile pour ce ministère, pour le corps du Christ, que tu sois un canal de bénédiction pour les enfants de Dieu, dans le nom de Jésus. Reçois l'onction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois! L'onction c'est pour toi. L'onction c'est pour toi. L'onction c'est pour toi. J'ai dit, reçois la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois une femme forte. Sois une femme forte. Sois une femme forte. Pour soutenir ton mari dans son appel. Reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Yamba, 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 yamba. Nazali ko bondela, o samba pesa ngai. Nazali ko kambola yo, o tinde liboso. Ba porte fumba ba, tango te loba. Ba tuba pika, ba tuba ya tuba pika, ba pika. Ba falu zali na kibate, ezo akimia. Na wabola yo ko loba, ezo akimia. Mitana ba tu, ezo la touche. Na ba prenika sola yo, yamba. Je dis, tu as pour donner l'onction maintenant de guérison. Dans ta main, je vois l'onction de guérison. Dans ta main, je vois l'onction de guérison. Je vois même les gens qui avaient des problèmes. Quand ils vont venir auprès de toi, quand tu vas commencer à parler, les gens qui n'avaient pas la paix, tu vas commencer à transmettre la paix dans la vie des gens, dans les couples qui ont des problèmes. Tu seras là pour conseiller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prise-le, prise-le, prise-le. Au nom de Jésus, 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 prise-le, prise-le. Écoutez bien aimé, tous les gens qui sont consacrés, passez devant maintenant. Dieu va vous bénir maintenant avec l'onction et la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Simba le bon vous pas de ça ne va pas de Mama tchao le Simba Mama Simba Mama Simba Mama Mama. Vous n'avez pas de la consacrer. L'onction de Dieu, Dieu va vous bénir maintenant par toi. L'onction, il y a l'onction. On a bijoué les roues. L'onction, l'onction. L'onction, l'onction. L'onction, je dis maintenant l'onction. Je dis, ça va pas tarder. L'onction, l'onction, l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Je dis l'onction, je dis. Les autres qui t'a, 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 les autres qui t'a. Je dis l'onction, l'onction. Les bons péchés. Les bons péchés. Les autres qui t'a, les autres qui t'a, les autres qui t'a, les autres qui t'a. Yamba, yamba, yamba. Yamba, yamba, yamba. Les bons péchés.
Yamba, Yamba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Laisse maintenant. J'ai dit, tu reçois maintenant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ozo yamba. J'ai dit, tu vas recevoir maintenant. J'ai dit à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Tu vas recevoir la puissance. Reçois. J'ai dit tu vas recevoir une forte onction. J'ai dit tu vas recevoir une forte onction. Le démon ne résistera jamais de toi. Au nom de Jésus. Yamba. Matthieu 7, 22, la Bible nous dit ceci, Jésus a déclaré, au dernier jour, plusieurs viendront et ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Amen. Et Jésus va dire à plusieurs, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Donc je voudrais parler par cette parole à toute l'ensemble. C'est bien beau de servir Dieu. C'est bien beau de venir à l'église. C'est bien beau de chanter, de donner les dîmes, les offrandes. Mais sachons bien aimer dans le Seigneur. Et il va dire dans Apocalypse 22, quand Jésus reviendra, il va donner à chacun selon son œuvre. Quelle est ton œuvre devant le Seigneur? Dieu nous appelle tous à le servir avec sérieux, avec sanctification. Tu peux chanter à l'église, tu peux même prêcher la parole de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux à l'église, mais si ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu ne te connaît pas, et ce jour-là, il dira à tout un chacun qui est en train de s'amuser avec l'œuvre de Dieu, qui est en train de s'amuser avec le service de Dieu,
Retirez-vous de moi car je ne vous ai point connu. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois archibishop, si tes œuvres ne plaisent pas à Dieu, si ta vie ne plaît pas à Dieu, sache-le que le dernier jour, l'Éternel va nous appeler tous et nous allons tous comparaître devant son tribunal. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais donner la parole au pasteur P. Roger pour la suite du programme. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cri de... Cantique, s'il vous plaît, avant de remise des certificats. C'est du bien. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, il y a des certificats avec moi. Je vais remettre à chacun le certificat. C'est très important. Mais écoutez, la Bible dit, bien-aimé, ah oui, maintenant ça va. Soyez ferme et inébranlable. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et la Bible dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a toujours une récompense. Qui dit amen. Donc il faut bien travailler, mais travailler de mieux en mieux. Alors, motif de temps, nous allons acclamer notre bien-aimé, le pasteur Dominos Joao, on attend pour la gloire de notre Seigneur. Ancienne Cynthia Ilumbe Lokwa. On acclame. Notre bien-aimé, la servante Céline Gavès. Chavez. Amen. Alors, je fais appel à la servante Dieu, Micheline Pagne. Elle passe le vent pour sa famille. Amen.
servant de Dieu, Bijou de Toko, on va passer devant. Je veux témoigner un peu la servante de Dieu, Mama Bijou, la servante de Dieu. Elle est sortie au sein de notre bien-aimé, le pasteur Blaise, en Hollande. Mais comme l'église maintenant est ici, à Bruxelles, elle reste, elle habite à Rotterdam, en Hollande. Mais Azako travaille et paye na biso na sanou vaye du Dieu vivant. Aye bisi na papa, église nanga yango. Papa nanga yi yeyo. Mais na ko kende pour na nazara consacré awa. Mais rien n'empêche pour na pe et paye na fandi na sambe la kakuma. Moi je dis avec plaisir, maman. Yes, yes. Dis amen. Alors, Makamba Bozara, il y a beaucoup des hypocrites, mais il y a éclairci les Kambounaye, malam. Il y a un peu de la costume pénale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Alors, je fais appel à la servante de Dieu, Thérèse. Azamba, Thérèse Azamba, la gloire de notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis ici. Je veux que les hommes de Dieu, comme ils sont nés, ils vont prier pour l'église. Après, je vais donner la parole à l'homme de Dieu, le pasteur José Tsilulo. J'ai bien parlé avec le pasteur José. Pasteur José Tsilulo. Et il va prier pour les offrandes. Il va faire l'appel pour donner les offrandes. Alors, les hommes de Dieu, on va élever nos mains. Bénissons cette église. Bénissons ces ministères. On a besoin de vos prières. On écoute les prières des hommes de Dieu. Évangéliste Thierry Lokwa qui est venu de France, celui qui va faire la clôture, il va prier et il va prier aussi pour la nourriture parce qu'après ça, il y a la manger. Demain, c'est lui qui sera l'autre, c'est lui qui sera l'invité, c'est lui qui va parler demain. Donc demain, à partir de 12h30, nous avons un culte. Bien, mais venez écouter la parole que Dieu a mis à cet homme. Il parle bien. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu n'es pas venu, Saint. Maman, elle est là. Maman, que Dieu te bénisse. On est content de te voir parmi nous. Nous vous trouvons bien. Alors, bien aimé des Seigneurs, nous avons aussi. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe ici maintenant à Bruxelles. Je vous dis, vous allez voir ce que Dieu va faire. Il y a plus de 27 hommes dédiés. C'est rare que tu vois des choses comme ça. Il y a quelque chose. Celui qui connaît les significations spirituelles va comprendre ce que tu es en train de faire. Ils ne sont pas venus ici en vain, ils sont venus déposer la bénédiction. Et ils sont venus confirmer le ministère, ils sont venus confirmer aussi ce que vous êtes en train de faire. Plus de 27, la majorité des hommes de Dieu que j'ai parlé avec eux, tous ils sont là. Je vois pasteur bien venir, il est là. Tout, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow! C'est formidable. Alors, je vais accueillir le pasteur Bénard.
l'évangéliste Gina, ils sont où? Ah, maman Gina, yaga maman. Bête la servante Dieu, ma boko. Zamba Lola. Ah, maman, 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 life. Bon, c'est quoi? C'est quoi la monnaie pour ta life d'a bien? Moi, on lève à Facebook, c'est un peu compliqué. On a mon yo à bien. Zamba Lola, pas mon yo. Eh, pasteur Bélé, il est où? Tu vois? Papa, oye, aujourd'hui, au moni, au moni. Eh, non, oh. Il y a un homme à ma corps. Oui, oui, viens, ça. Viens, viens. Ah. Ça m'a donné à fond la porte pour la finale. A besoin pour ça, mon témoignage. J'ai été béni à la porte pour le nom de Dieu que je suis. Dans le nom de Jésus. La voiture approche. La voiture approche. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, le nom de Dieu. Un grand merci pour, je sais que vous avez une préoccupation avec vous, vous avez un mariage, mais vous avez une carte d'émission. En tout cas, nous disons un grand merci à Dieu, c'était vraiment une grande bénédiction pour nous, que le bon Dieu nous bénisse. Pasteur Guy. Alors, photo de famille, bon, fait photo de famille, parce que je veux que, bon, on fait d'abord photo de famille, et Pasteur José, il a quand même, on va donner les offrandes ordinaires de l'église. Bon. Et suivez un peu le protocole, on fait quand même une photo de famille. Ok, ok, ça va. On fait quand même une photo de famille. Après, ton jeu à place Nabisso. Ok. Ceci. Pour que les gens ne viennent pas ici, les protocoles vont passer avec le panier pour nos offrandes. Alors, prenez vos places, suivez vraiment le protocole de Roussala parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je vais vous présenter quelqu'un. Je vous présente le pasteur de l'église messianique Second Souffle. Il est là. Il est là. J'appelle pasteur José Ntiou et quand il passe, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez, acclamez. Ah, mon général, mon général. Mon général. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui aime Jésus peut acclamer encore la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. Je voudrais d'abord dire que nous sommes les fils d'Issachar. Il faut comprendre les temps. Les fils d'Issachar, c'est un tribu qui savait bien discerner les temps. Le nom de l'église, c'est Second Souffle. Cet homme, c'est un nouveau vent. Amen. Amen. C'est un nouveau vent. Je pense encore lorsque cette église a commencé. J'étais là. Dieu a parlé à cet homme. Il était au lit de l'hôpital.
il a failli mourir. J'étais à l'hôpital, j'ai parlé avec lui parce qu'on a travaillé ensemble. Dieu lui a parlé et il m'a dit ce que Dieu lui a parlé. Et l'homme de Dieu a eu l'initiative de commencer l'église. Il a dit, force tranquille, le nom de l'église sera ce qu'on souffre. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un nouveau vent. Dieu a dit, David a dit, il fait des vents ses messagers. Continuez à l'écouter et vous continuerez à être toujours béni. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu fera encore des grandes choses. Il est dans le début. Il est dans le début. C'est encore le début. Dieu continuera à faire des grandes choses pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, nous sommes au moment des offrandes. Il y a une église aux États-Unis, quand ils arrivent au moment des offrandes, les gens sont dans la joie. Toute l'église est pleine de joie. Ils disent que c'est le moment où Dieu bénit encore son peuple d'une autre manière. Alléluia. D'une autre manière. Bien-aimés, nous voulons encore être bénis d'une autre manière. Parce que notre Dieu, lorsqu'il a dit à Abraham, il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, je multiplierai. Je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Alléluia. Si tu es béni par la parole, tu es béni par la prière, Dieu veut encore te bénir, bien-aimé, au moment des offrandes. Alléluia. Je te dis que cette journée est une journée extraordinaire. Il faut que tu donnes aussi une offrande extraordinaire. Parce que notre Dieu est un Dieu d'extraordinaire. Alléluia. Ne pétitons pas Dieu. Mais grandissons Dieu. La Bible dit, ne venez pas de la maison de l'Éternel, le mais vite. Je crois que chacun de nous, avant de venir ici, il a préparé ses offrandes. Prépare ton offrande, une bonne offrande pour la gloire de Dieu. Une bonne offrande. Et nous voulons donner. Restez toujours à ta place. Le service de protocole va passer et chacun posera sa main dans le panier des offrandes. Alléluia. Amen. Mais je te demande de préparer une bonne offrande parce que profite à ce moment de recevoir, bien aimé, d'une autre manière la bénédiction que Dieu a préparée. Et je sais que le Seigneur te bénira encore. Alléluia. Alors, avant que nous puissions passer aux offrandes, je vais faire l'appel à l'homme de Dieu, le pasteur José Bomboko. C'est lui qui va prier pour les offrandes et prier tous les mains, tout prier pour toutes les mains qui vont contribuer, prier aussi même pour ceux qui n'en ont pas, pour que la prochaine fois qu'ils apportent pour la gloire de Dieu. Le pasteur José Bomboko, s'il est là, il peut passer devant pour prier pour les offrandes. Ah, le pasteur vient déjà de partir. Nous voulons prier. Prions le Seigneur. Soulève ta main avec tes offrandes que tu veux donner. Je vais faire une prière. Éternel Dieu, notre Père, il est écrit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. À cet instant, Seigneur notre Dieu, nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Je prie pour toute personne qui posera sa main, Seigneur notre Dieu, dans ce panier pour contribuer, Seigneur, pour le progrès de ton œuvre. Bénis, Seigneur, toutes les mains. Même ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, veille le bénir afin qu'à la prochaine fois, Seigneur notre Dieu, quand ils recevront,
Ils ne, n'oublieront pas, Seigneur, de t'apporter quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Et nous bénissons ces offrandes, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus Christ que j'ai ainsi prié. Nous disons comme une personne. Amen. Amen. Nous laissons la place à nos bien-aimés. Ils vont mettre les chants comme ça. Nous allons donner pour la gloire de Dieu. Aussi pour à manger, hein? Alors je vais laisser à notre maman Cynthia, ancienne Cynthia Ilumeloqua. Elle va donner les annonces de l'église. On l'appelle et on acclame Jésus. Ancienne. Amen, amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous étions bénis cet après-midi? Amen. 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 Notre Dieu est tellement bon, amen. Il est tellement merveilleux. Il savait que ce jour s'accomplira un jour. Donc, tout est planifié. Dieu le savait. En tout cas, je remercie notre Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Je vais directement passer au communiqué. Donc, chaque mercredi, nous avons intercession via l'application Zoom à partir de 20h jusqu'à 21h.
Le jeudi, nous avons également, nous avons culte via l'application Zoom à partir de 21h jusqu'à 22h. Le vendredi, nous avons veillé, nous allons reprendre notre veillée, veillée des vainqueurs. La Bible dit prier sans cesse. Donc nous cherchons la face de Dieu chaque vendredi à partir de minuit, à partir de 23h jusqu'à 1h du matin. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu via l'application Zoom. Si vous n'avez pas les codes ou l'application sur vos appareils, veuillez me contacter après le culte et je vais vous expliquer comment rentrer sur cette application. Amen. Chaque samedi, nous avons répétition pour les choristes à partir de 12h30 jusqu'à 14h30. Et les dimanches, nous sommes ici dans ce lieu à partir de 12h30. Je vous invite vraiment à venir le dimanche ici dans ce lieu pour louer et adorer notre Seigneur ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Amen, amen. Alors, après, parce qu'ils ont préparé quand même à manger, restez à vos places. Parce que si nous tous on se met debout, il y a tellement du monde, ça sera vraiment catastrophe. Restez à vos places, on va amener quelque chose à manger. Et les mamans déjà vont préparer les tables ici pour les hommes de Dieu. Alors j'appelle l'homme de Dieu, quand il avance, on acclame très fort. Bon, l'homme de Dieu va prier de nous. Cet homme, il est venu de France. J'étais là-bas en France, c'était formidable. Et cet homme, il a une grâce particulière. Donc, demain, ne manquez pas. Si tu manques, tu vas bénéficier de l'onction qui vient de la France. Hein? Frère Emma, tu es quoi? Tu es là, non, frère Emma? Le boss de la route. Au son matin. Le boss de la route. Bon, hein? Ah, ben ça va, comme ça. Il est peut-être des bénéfices. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour clôturer ce moment? Jésus. Jésus. Éternel Dieu, en ce moment. Bénis cet ensemble, Père, éternel Dieu. Je viens te présenter tes serviteurs qui ont quitté, ils ont quitté leur ensemble, Père, éternel Dieu, pour venir passer ce moment, Père. Yahweh, bénis, éternel Dieu, leur ensemble. Nous remettons ce moment entre tes saints, comme El Shaddai, Dieu. Nous voulons, Père, éternel Dieu, que tu règnes à jamais. Nous voulons, Père, éternel Dieu, que ta puissance soit, Père, permanent dans cet ensemble. Yahweh, Père, éternel Dieu, je viens laisser tout le monde qui a quitté leur maison, Père. Yahweh, Lola, tes fidèles, Père, qui ont venu participer. Yahweh, Père, toi qui as dit, Père, tout ce qui vient dans ta présence, ils ne rentrent pas tels qu'ils sont venus, Père. Yahweh, bénis leur vie en nom puissant de Jésus-Christ. Père,
éternel Dieu, je viens prier, Père, en ton nom, Père, éternel Dieu, Yahweh, Père, Yahweh, béni, éternel Dieu, ceux qui ont eu le temps, Yahweh, de cuisiner, Père, ceux qui ont, Père, contribué, Père, éternel Dieu, enfin que, Père, l'Église puisse, éternel Dieu, partager quelque chose. Toi qui connais, Père, la source de provenance, éternel Dieu, bénis-les, Père. Seigneur, Père, le reste du programme entre tes saintes mains. Nous voulons, Père, éternel Dieu, que tu règnes à jamais. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bon appétit, ne partez pas pressés, bien aimés, mangez quelque chose. Les mamans, ils ont préparé vraiment. Ils vont faire, en tout cas, manger quelque chose. Ne partez pas pressés, que Dieu nous bénisse. Merci. Un grand merci à toi.